Day. Et comme vous le savez, on avait programmé célébrer ce jour, c'est-à-dire ce 3 janvier-là. Heureusement, beaucoup de personnes s'étaient intéressées au Zoom, c'est-à-dire à la célébration. Il y avait plus de 400 personnes qui se sont inscrites. Mais à la dernière minute, on s'est rendu compte que le Zoom ne pouvait que supporter 100 personnes. Beaucoup de personnes ont cherché à suivre la séance et ils n'ont pas pu. Et donc, quand on a réfléchi, on a dit, ce n'est pas bien qu'on laisse la situation comme ça. Ce serait bien de repasser les points forts de la séance. On ne peut plus avoir tous les communicateurs, mais les points essentiels, surtout que ceux qui ont communiqué, moi, on va aider les présentations. Donc, du coup, on a dit, on va repasser les points essentiels pour permettre à ceux-là qui n'avaient pas suivi de suivre, parce que ce n'est pas de leur faute. Ils se sont très, très bien intéressés à la chose et c'est nous, on va dire, c'est nous la faute. Donc, voilà pourquoi on a décidé d'organiser cette séance aujourd'hui. Voici le plan que nous avons retenu pour la séance la fois passée. Il y avait une introduction que j'ai faite, évidemment. Je devais le reprendre. C'était juste, j'avais introduit le génie bloc D, expliqué brièvement. Je pense que vous qui êtes connectés, vous connaissez, vous savez de quoi il s'agit. Le 3 janvier à 18h15 en 2009, c'est le jour où le premier bloc a été validé et donc, ce jour est retenu comme un jour de célébration de la blockchain. C'est un jour de célébration de la blockchain parce que si ce premier bloc n'avait pas marché, vous êtes d'accord avec moi que on ne serait pas là aujourd'hui en train de parler de blockchain, en train de parler de crypto-monnaie. Donc voilà pourquoi depuis 4 ans, nous avons commencé par célébrer ce jour en Afrique. Les 3 autres éditions étaient en présentiel. C'est la seule fois où nous l'avions fait en ligne. Après ça, j'ai fait un bilan et perspective de l'industrie. Ensuite, on a parlé de l'INT, on a présenté l'INTBC. Il n'y avait pas Monsieur Kevin. Lui, c'est un communicateur, mais il n'a pas pu se connecter le jour-là parce qu'on ne savait pas qui fait sortir. Du point de vue éthique, ce n'est pas bon de faire sortir des gens, de couper des gens et faire pour permettre, pour laisser d'autres personnes se connecter. Donc, j'avais du mal à couper des gens. Il n'a pas pu faire sa présentation le jour-là. Donc, s'il est connecté, peut-être qu'il va nous parler brièvement de Blockchain Family. Quel degré de confiance peut-on accorder aux plateformes centralisées? C'est le coach Emile qui nous avait présenté ça. Ensuite, le DG de EasyChain, il nous avait entretenu sur l'adoption des crypto-monnaies et celle de Pi. Ensuite, il y a Monsieur Ulrich qui n'était pas disponible le jour-là, la dernière minute, donc il n'a pas pu présenter la régulation de l'industrie. Le docteur Marius qui nous avait parlé de la gestion du bear market et la préparation du prochain cycle haussier. Je ne sais pas s'il est connecté. S'il est connecté, il va reprendre sa présentation pour vous. Et puis, moi, j'ai fait l'analyse technique prévisionnelle de l'année et c'est le coach Simon qui a parlé de la mentalité à avoir dans les investissements. Alors, Alors, donc, voilà le plan que nous avons adopté le jour-là. Je vais commencer par le bilan rapidement. Oui, allô? oui, donc je voudrais informer que pour éviter qu'il y ait du bruit partout là, si quelqu'un veut discuter, si quelqu'un veut parler, il n'a qu'à écrire d'abord dans la discussion là, on va l'autoriser pour qu'il puisse activer son micro. C'est ça. Et ça marche. Donc, c'est très bien comme ça, on n'aura pas de bruit partout à chaque niveau.
Alors, bilan et perspective du secteur de la crypto, 14 ans après la création de Bitcoin. Donc, je vais reprendre cette présentation pour vous. Alors, je vais faire un petit rappel sur l'historique, la motivation de la création du Bitcoin. L'objectif de Satoshi Nakamoto, c'était bien sûr de créer un moyen d'échange décentralisé et déflationniste. Parce que vous savez bien, il est parti de deux constats. Le premier, c'est que le système financier actuel est totalement centralisé à la banque et au niveau des États. Et secondo, nos banques centrales ont l'habitude de créer des monnaies quand ils veulent. Si on demande à la Banque centrale américaine, la Fed aujourd'hui, de nous dire combien de pièces de dollars il y a dans le monde entier, il ne peut pas dire. C'est vrai, il aura un chiffre théorique, mais qui ne va pas être forcément le vrai. Donc, et aussi, certaines situations amènent à créer, sans suivre la courbe normale, c'est-à-dire sans suivre les règles normales de création. C'est l'exemple de COVID. Vous avez vu, pendant le COVID, les États-Unis ont créé plus de 10 000 milliards de dollars sans aucune justification. Pour aider, soi-disant, les entreprises, la population, etc., etc. Et c'est la conséquence que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est ça qui a entraîné l'inflation. Donc, l'objectif de Satoshi Nakamoto, c'était, au lieu de créer des pièces indéfiniment, réussir à créer une monnaie numérique, mais qui va être déflationniste, c'est-à-dire qu'il n'aura pas une quantité infinie, il aura une quantité limitée. Et aussi, ce moyen d'échange ne doit pas être centralisé, mais ça va être totalement décentralisé. Ce qu'il a réussi à faire, malheureusement, il y a Vitalik Buterin qui nous a alerté sur la scalabilité de la blockchain de Bitcoin en 2013 et avait montré que la blockchain de Bitcoin ne pouvait supporter que 10 transactions par seconde. Ben, pour une population de 8 milliards d'habitants, 10 transactions par seconde, c'est très, très peu. On a donc compris à partir de cet instant que Bitcoin ne peut pas devenir la monnaie de demain. Même si la monnaie de demain va être créée grâce à la blockchain, ça ne pourra pas être à l'état actuel de Bitcoin parce que si en une seconde, 1 million de personnes décident de faire des transactions de Bitcoin, eh bien, ils seront tous mis en attente. Elles seront toutes mises en attente. Et donc, voilà le problème. Alors, il faut trouver une solution. Les Bitcoin maximalistes, c'est-à-dire ceux qui pensent que les restes des crypto-monnaies, c'est zéro, et que pour eux, la seule et unique crypto-monnaie qui existe, c'est le Bitcoin, ont décidé de trouver une solution qu'ils ont appelée les Lightning Network. Alors, les Lightning Network, c'est une manière à mettre en attente les blocs, les transactions contenues dans les blocs, mais il va y avoir un système préalable intermédiaire qui va essayer de valider, de faire une validation intermédiaire des blocs. Comme ça, celui à qui on a envoyé la transaction de Bitcoin puisse recevoir le Bitcoin en attendant que la blockchain même ne valide, la vraie blockchain de Bitcoin ne valide la transaction plus tard. Les solutions sont en cours. Aujourd'hui, les Lightning Network fonctionnent très peu, mais ce n'est pas encore ça. Donc, les Bitcoin maximalistes pensent que les Lightning Network sera un succès. Et donc, toutes les autres crypto-monnaies seront éliminées. Voilà la première solution qui a été proposée. La deuxième solution, c'est que Vitalik Buterin a décidé de créer une autre blockchain qui va être plus scalable, d'accord? Quand on parle de scalabilité, c'est le nombre de transactions que la blockchain peut effectuer en étant donné. Donc lui, il a réussi à créer une blockchain qu'il a appelée blockchain d'Ethereum, blockchain ERC20, qui réussit à faire 90 transactions par seconde. Comparativement à la blockchain de Bitcoin, on peut dire que la blockchain d'Ethereum est plus scalable. Mais cette blockchain de Vitalik Buterin a ajouté un plus. C'est le smart contract qui est un très, très, très bon élément. Très, très bon élément. Ça s'est passé en 2015. Et donc, quand les gens ont compris les avantages du smart contract, eh bien, ils savaient qu'on n'avait plus besoin de créer une blockchain avant de créer un token. Cela a entraîné la création des tokens à partir de 2016.
jusqu'en 2018, vous voyez, il y a une explosion puisque la blockchain d'Ethereum est devenue vraiment fonctionnelle à partir de 2016. Ça a été créé en 2015, mais c'est devenu vraiment fonctionnelle à partir de 2016. Vous voyez le nombre d'ICO qui s'est multiplié parce que les gens n'avaient plus besoin de créer de blockchain avant de créer des tokens. À l'époque, pour devenir riche, il suffisait que tu aies l'info qu'il y a un ICO. Dès que tu as l'info qu'il y a un ICO, eh bien, tu achètes simplement. On s'en fichait pas mal de ce qu'on appelait projet, pourvu que c'est un ICO. Et donc, on a vu, parce que quand tu participes à un ICO, dès que ça passe sur un marché d'échange, tu peux multiplier par 100 ton investissement, par 10, par 20, par 50. Donc, c'est des choses qui se passaient en 2017-2018. C'est ça qui entraîne le bull market de 2017 qui est terminé en 2018. Ensuite, cela ne va pas durer à cause du crash de 2008, après ce bull. Alors, après les crashs, il y a eu accalmie totale du marché. Accalmie, personne ne croyait plus en l'avenir de la blockchain. Personne ne croyait plus aux crypto-monnaies jusqu'à 2020, de 2018, début 2018, janvier 2018, puisque les crashs ont commencé à partir de mi-janvier déjà. Hein, en février, le Bitcoin était déjà à 2000, le 20 000, il était déjà à 2000. Et donc, plus personne ne croyait aux crypto-monnaies jusqu'en 2020, octobre 2020, où il y a un nouveau concept, la finance décentralisée. C'était déjà, on parlait de ça déjà, mais on ne savait pas que ça va devenir une réalité. Mais les premières plateformes de finance décentralisée sont devenues fonctionnelles en octobre 2020, suivi par la suite des tokens non fungibles qui ont commencé par exploser, des plateformes de gaming. Ça existait, mais c'est à partir d'octobre 2020, les gens ont vu que oui, effectivement, ça pouvait être une réalité. Et c'est comme ça, c'est ça qui a entraîné une explosion de toutes ces différentes plateformes. Et c'est ça qui va entraîner les bull markets que nous avons eu en 2020 jusqu'en 2021. Mais une chose est sûre, que ce soit la finance décentralisée, que ce soit les tokens non fungibles, que ce soit les gaming et autres, tous ces concepts fonctionnent grâce à une blockchain smart contract. Et la seule et unique blockchain smart contract qui pouvait les supporter à l'époque, c'était la blockchain d'Ethereum. Donc vous voyez que une blockchain d'Ethereum qui faisait juste 90 transactions par seconde a été donc surchargée par ces différents projets, à savoir le projet de DeFi. Et ce n'est pas un seul projet de DeFi. Chaque startup créait son projet de DeFi sur la blockchain d'Ethereum. Eh bien, ça va réveiller encore la scalabilité de l'Ethereum, de la blockchain d'Ethereum. Allô? Oui. Oui, allô? Il y a quelqu'un qui signale que, OK, bon, peut-être ça dans son micro, parce qu'il y a quelqu'un qui signale qu'il n'entend rien sauf les images qu'il voit. Je pense que non, c'est sûr, c'est son niveau. Hein. Je crois que tout le monde me reçoit. Oui, oui, oui. C'est son niveau. Vous pouvez continuer. Il y a deux personnes, hein. Moi, je n'entends rien. Moi, ça demande déjà. Vous me recevez 5 sur 5. OK, OK, ça va. OK, c'est bon. Merci beaucoup. Donc, je disais que tous ces différents projets ont réveillé la scalabilité, le problème de scalabilité de la blockchain d'Ethereum qui était limité à 90 transactions par seconde. Et puis, on a constaté que ces projets, donc, on a commencé par dire que ces projets ne feront pas, donc, feu longtemps. Eh bien, il y avait donc certaines personnes qui ont dit si on laisse la situation ainsi, ça risque de dégrader encore, c'est-à-dire de décourager, de détruire encore le secteur une deuxième fois. Il fallait trouver des solutions alternatives. Les solutions alternatives, c'est la naissance des layers, c'est-à-dire des blockchain layers, c'est-à-dire des blockchains comme Polygon, et qui pour aider la blockchain d'Ethereum. Mais certaines personnes ont dit non, il faut dupliquer, il faut faire la même chose, il faut créer exactement la même blockchain d'Ethereum. C'est l'exemple de Binance, la Binance Smart Chain. La blockchain de Binance n'était pas une blockchain smart contract au début. Mais quand la situation s'est posée, ils ont rapidement travaillé sur les blockchains pour que ça devienne une blockchain smart contract. Il y avait d'autres blockchains comme la blockchain Solana, la blockchain Avalanche, Phantom, etc.,
qui sont toutes des blockchains et viennent compatibles, c'est-à-dire des blockchains qui peuvent fonctionner avec, qui peuvent fonctionner dans les applications décentralisées, créées sur la blockchain d'Ethereum. Mais le problème est que si nous avons eu un problème de scalabilité avec la blockchain d'Ethereum et les gens sont en train de copier la blockchain d'Ethereum, ce n'est pas une solution. Une solution durable serait de réussir à trouver la solution à la blockchain d'escalabilité d'Ethereum. Et donc, c'est ça qui a amené Vitalik Buterin à initier le projet de la blockchain d'Ethereum 2.0. C'est-à-dire, Vitalik Buterin a décidé de mettre à jour la blockchain d'Ethereum afin de la rendre plus scalable. Et c'est ça le projet Ethereum 2.0. Il faut noter que les blockchains concurrentes telles que BSC, Solana, Avalanche, d'autres protocoles, nous pouvons avoir une blockchain centrale en amenant un logiciel qui va permettre à celui qui veut créer un protocole de créer une autre blockchain à partir de la blockchain principale. Donc, ce ne sera plus la blockchain initiale qui va faire fonctionner tous les autres projets. Il aura une blockchain au centre, mais celui qui vient créer sa blockchain liée à la blockchain qui est au centre. Donc, c'est ça l'intérêt des blockchains. C'est comme si la blockchain qui est au centre fait fonctionner les autres blockchains. Et donc, ce concept, ils ont travaillé sur ça. Mais Vitalik Buterin avait dit que c'est le problème de sécurité. Il a peur du problème de sécurité. C'est-à-dire, si on veut passer un token ou bien un projet ou bien un contrat de la blockchain principale vers la blockchain qui est née, c'est-à-dire qui est connectée à la blockchain principale, la zone de jonction pourrait poser un problème de sécurité. Effectivement, c'est le point faible de l'Internet et des blockchains, mais l'équipe a travaillé sur ça et aujourd'hui, on a plus de 1000 projets connectés à la blockchain principale de Cosmos. Cosmos, l'idée a été copiée rapidement par les startups de Polkadot et eux aussi, ils sont en train de travailler sur ça, c'est ça, Polkadot. En résumé, si je dois faire un résumé de tout ce que nous avons aujourd'hui dans les secteurs, dans le Bitcoin, que certaines personnes pensent que à la longue, le Bitcoin sera une valeur refuge, c'est-à-dire que les transactions de Bitcoin étant très lourdes, et donc, le Bitcoin, à la longue, aura une valeur que l'individu de particulier ne pourra plus détenir. Donc, ce sera ceux qui ont vraiment les moyens qui vont conserver leur fortune sous forme de Bitcoin. Les banques centrales, par exemple, ou bien les grands milliardaires, comme aujourd'hui, on conserve les fortunes sous forme d'or, l'or. Donc, le Bitcoin sera quelque chose comme ça. Il y a également la nécessité donc, d'une blockchain qui va supporter de nombreux projets, des défis, des NFT gaming. Et cette blockchain, il y a deux concepts aujourd'hui. Il y a le concept de smart contracts, dont le chef de file est la blockchain d'Ethereum, suivi de BSC, d'Avalanche, de Solana, de Phantom. Et le concept d'Internet des blockchains, dont le chef de file est Cosmos, suivi par la suite de Polkadot. Peut-être que demain, il aura un nouveau concept. De toute façon, si je dois résumer tous les différents types de projets que nous avons dans le secteur aujourd'hui, nous avons le Bitcoin qui constitue un grand cadre du seul, les stablecoins qui ont besoin des smart contracts pour fonctionner. On n'a pas encore trouvé une solution véritable pour les stablecoins parce qu'il existe différentes sortes de stablecoins aujourd'hui. Ensuite, nous avons les différents écosystèmes que vous avez énumérés tout à l'heure, à savoir Ethereum, Solana, Avalanche, tout ça. Ensuite, nous avons les différents protocoles qui doivent fonctionner sur ces différents écosystèmes tels que la DeFi, les NFT et les DAO, les Decentralized Organization, Autonomous Organization. Donc, ce sont des organisations décentralisées autonomes. Alors donc, voilà le point de tous les différents types de projets que nous avons dans le secteur aujourd'hui. Et là, je dis, si on parle d'un projet aujourd'hui, ça doit être forcément quelque part dans ces six cadrans. Alors, l'année 2022 a été une année de tous les problèmes. Tous les problèmes parce qu'il suffit de jeter un coup d'œil sur les graphiques. Et qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez qu'on a
un crash total de toute la bulle spéculative qu'on a eue ici. Là. Tout a été annulé. On est revenu au point, pratiquement au point de départ, au sommet de l'ancien bulle. Quand vous voyez, ça c'est la capitalisation boursière totale. Quand vous voyez le Bitcoin lui-même, vous voyez que c'est la même chose pratiquement, le Bitcoin même. Et de même que les altcoins, vous voyez que la situation des altcoins est également la même. D'accord? Donc voilà ce qui se passe actuellement dans les secteurs. Les crashs totaux. Ces crashs. En dehors de ces crashs, a été soutenu par d'autres situations telles que les nombreux piratages des applications décentralisées qui ne sont pas bien sécurisées, les bridges, c'est-à-dire les sites, les plateformes qui nous permettent de passer un contrat de la blockchain d'Ethereum à une blockchain EVM compatible ou de la blockchain EVM compatible à la blockchain d'Ethereum. Je vais parler par exemple de la blockchain de Solana, de la blockchain de Binance, de la blockchain de Phantom, etc., etc., qui sont toutes des blockchains EVM compatibles. Donc, les plateformes qui vont permettre de passer un token d'un écosystème EVM compatible à la blockchain d'Ethereum, d'Ethereum à la blockchain EVM compatible, par exemple, ne sont pas sécurisées. Ce sont ces plateformes avec des bridges. Mais pourquoi elles sont nécessaires? Vous savez, comme Ethereum 2.0 n'est pas encore fonctionnel, nous avons un souci avec la blockchain d'Ethereum, c'est-à-dire quoi? Nous devons forcément payer des frais de transaction très élevés. Donc, pour contourner ces frais de transaction, nous avons l'habitude d'envoyer les pièces de l'Ethereum vers une autre blockchain EVM compatible, aller faire notre transaction et dès qu'on finit d'acheter la monnaie qu'on veut acheter, on ramène encore vers la blockchain d'Ethereum et vice-versa. Et donc, ce qui va nous permettre de quitter la blockchain d'Ethereum pour la blockchain de Solana, par exemple, eh bien, ce sont ces sites que nous appelons les bridges qui ne sont pas du tout sécurisés. Je vous conseille de ne pas encore les utiliser tant que la phase, puisqu'on est à 36 milliards de dollars de pertes de 2021 à 2022, 36 à fin 2022, bien sûr, 36 milliards de dollars perdus grâce aux bridges. C'est énorme. Le crash de Luna et de son token stablecoin UST, donc ça, vous le savez, donc, autant de situations qui ont soutenu les crashs en cours, sans oublier les nombreuses faillites, la liquidation d'un solo Ponzi valorisé à 40 milliards de dollars, la liquidation d'un fonds spéculatif qui gérait 10 milliards de dollars, la liquidation d'une plateforme de Lender, c'est-à-dire de Lending, qui faisait une de Lending Celsius, qui gérait 25 milliards de dollars, la faillite du deuxième plus grand marché d'échange centralisé du monde, FTX. Et nos sous sont bloqués actuellement sur FTX. Donc, toutes ces situations, on fait quoi? On a entretenu les crashs en cours. Alors, il y a de quoi se poser la question. Est-ce la fin de tout ce bordel, ou bien c'est maintenant le début d'une histoire. Alors, pour répondre à cette question, je vais essayer d'aborder la solution sur deux plans. Le premier plan va être le plan fondamental et le deuxième plan va être le plan technique. D'abord, sur le plan fondamental, nous allons voir dans l'histoire du Bitcoin, de la blockchain, est-ce qu'il y a une situation pareille qui s'est posée? Premièrement, en termes de Ponzi, il y a eu beaucoup de Ponzi sur les tokens ERC-20. Je vous ai montré les nombres de tokens qu'on a eu en 2017-2018 d'ICO. Tous ces ICO aujourd'hui n'existent plus. Ceux qui les ont achetés dans l'espoir de devenir milliardaires 10 ans, 5 ans après, aujourd'hui, ils n'ont plus les tokens, les plateformes ne sont même plus fonctionnelles. Le piratage volontaire des exchanges, ça, j'ai dit volontaire parce que c'est ceux qui créaient les marchés d'échange qui faisaient ce piratage volontaire. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. J'ai essayé de faire l'historique de tous les piratages des marchés d'échange qu'il y a eu dans l'histoire de la blockchain des crypto-monnaies de 2011 jusqu'en 2019, ou même quand vous voyez chaque année.
il y a eu piratage. Volontaire, on a dit, nous disons volontaire parce que c'est ceux qui créaient ces plateformes, qui pirataient eux-mêmes les plateformes. Et vous voyez que ce n'est pas de petits montants qui sont volés chaque fois qu'il y a de piratage. En 2016, vous avez vu, ça continue. D'accord? Bitfinex, 2017, vous avez vu, 2018, vous voyez, en 2019, vous voyez toutes ces plateformes qui ont été piratées dans l'histoire. Les amis, ce n'est pas aujourd'hui le piratage dans les secteurs a commencé, ça existe toujours. Et après piratage, il y a certaines plateformes qui disparaissaient, il y a d'autres qui font tout possible pour se relever, même votre Binance, pour ceux qui sont venus récemment dans les secteurs, a été piraté en 2019 et 40 milliards de dollars ont été volés. Mais ça n'a pas affaibli Binance, il a restitué les fonds. En dehors de ça, nous notons une croissance importante des développeurs. Donc, le deuxième élément pour vous convaincre, c'est le nombre de développeurs qui augmente de façon exponentielle. Depuis l'histoire jusqu'à aujourd'hui, regardez, chaque année, qu'est-ce qu'on constate? On note une augmentation. Bon, ici, on a noté une diminution à cause du crash de 2018, mais la situation a été reprise en 2021. J'ai eu le rapport de l'Electric Capital hier, mais je n'ai pas encore ajouté ça à la situation, à la présentation. Sinon, j'allais vous ajouter ça en 2000, le nombre de développeurs qu'on a eu en 2022. Mais ce n'est pas grave. Mais vous voyez que c'est pratiquement une augmentation chaque année du nombre de développeurs qui nous rejoignent. Ces développeurs étaient dans les systèmes traditionnels, travaillent dans les systèmes traditionnels, mais qui aujourd'hui ont compris l'importance du Web 3. Pour ceux qui se posent la question du Web 3, c'est tout ce qu'on fait dans le Web 2, c'est-à-dire tout ce que vous faites aujourd'hui, Google, Facebook, tout ça là, auront leur application décentralisée. Tout ce qui est décentralisé, ça nous attend au Web 3. Internet, bien sûr. Et donc, on note une croissance importante de ces développeurs. OK, donc ça, c'est le deuxième. Si vous, on voit ça en termes de diagramme circulaire, pour vous montrer, pour que vous sentez comment ça monte vraiment, eh bien, c'est pas moi qui ai fait ces graphiques, j'ai dit que les imprises de la société de l'Electric Capital. Et là, vous voyez ici, en 2022, le nombre de développeurs que nous avons eu. Le troisième élément, donc le premier élément était l'histoire que je vous ai racontée et qui n'existe pas. C'est-à-dire, de nombreux piratages n'existent pas. Ils n'ont pas commencé aujourd'hui. De nombreux piratages n'ont pas commencé aujourd'hui. Ensuite, les failles, les ponts et les ponzi, tout ça, ce n'est pas aujourd'hui. Après cela, nous avons vu la croissance importante des développeurs. Le troisième élément que je vais vous montrer, c'est la courbe d'évolution des routes technologiques. Chers amis, lorsque une technologie naît, il y a une phase, une période qu'on appelle la rupture technologique. C'est-à-dire que l'abandon de l'ancien modèle, parce qu'avant l'arrivée de cette nouvelle technologie, il y avait une manière de fonctionner. Donc, il va avoir abandon de cette manière de fonctionner pour adopter la nouvelle manière de fonctionnement. Et ça, nous appelons rupture technologique. D'accord? Et quand je prends l'exemple, c'est-à-dire dans l'histoire, quand l'Internet est venu, l'Internet a créé ce qu'on appelle une rupture technologique. C'est-à-dire quoi? Est-ce qu'avant l'Internet, pour charger les commissions aux gens, on avait les WhatsApp que nous avons aujourd'hui? Non. Qu'est-ce qu'on faisait? Il fallait prendre un moyen de déplacement, se déplacer pour aller charger la commission ou alors écrire une lettre à la poste, à la personne. Si la personne est dans une ville, et il faut attendre le retour de la personne pour savoir qu'il a reçu vraiment sa lettre. Mais aujourd'hui, grâce à l'Internet, il suffit de prendre ton portable, même si la personne est dans n'importe quel pays, tu peux le parler et en train de le regarder. Quand vous prenez
Amazon, ben, vous voyez, Amazon est aujourd'hui un grand site où on peut aller acheter tout ce qu'on veut. Donc, c'est l'Internet qui a permis à Amazon de créer ce business. Mais quand l'Internet est venu, la première phase de l'Internet, c'est qu'il y a eu une bulle spéculative. C'est-à-dire quoi? Il y a eu beaucoup de projets qui sont nés à partir de l'Internet. Tous ces projets, on ne savait pas lesquels allaient être meilleurs demain. Et donc, pour ne pas rater, on achète tout. Donc, c'est ça qui entraîne une explosion de tout ce qu'il y a comme nouveau projet amené par la technologie. On est d'accord? Donc, c'est ça la partie là de la courbe qui est montée. Donc, tous ces projets vont monter. Quand ils vont monter, d'ailleurs, on se rend compte à un moment donné, mais nous n'avons pas encore ce qu'on nous promet et on est en train de spéculer aussi comme ça. Alors, les esprits vont commencer par se calmer. On va dire non, 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 non. Patientons pour que ça devienne une réalité parce que ce qu'on est en train de faire là, on devient fou là. Pour que ça devienne une réalité avant qu'on ne les suive. C'est ça qui va entraîner un crash. D'accord? De toutes ces innovations qui ont explosé, premièrement. Et après les crashs, c'est là qu'on va voir tous ceux qui sont les bons vont se lever. Les mauvais qui n'ont rien à foutre là vont mourir. Je peux vous assurer que quand l'Internet est venu, c'est Amazon n'est pas le seul à créer un site qui va permettre aux gens d'acheter et de vendre leurs produits sur Internet. Google n'est pas le seul à créer Google. Il y a eu d'autres concurrents. Facebook n'est pas le seul à créer Facebook. Il y a eu d'autres sites d'échange. YouTube n'est pas le seul. WhatsApp n'a pas été le seul. Il y a eu des concurrents. Mais aujourd'hui, c'est ceux-là qui ont dominé le secteur de l'Internet. Et donc, c'est ça qu'on appelle rupture technologique. Mais dans un premier temps, il y a toujours cette phase spéculative. Et c'est après la phase spéculative qu'il va avoir l'étude des bons projets, et ce sont ces bons projets qui vont se lever. Il y en a qui vont rester forts toute leur vie, c'est les gens des Amazon et autres. Il y a d'autres qui vont encore mourir au bout des chemins si on voit que ça n'apporte rien à l'humanité concrètement. Je ne vais pas citer un exemple pour ne pas faire mal aux gens, sinon. Je peux vous assurer que quand moi, ça, Facebook n'est pas trop apprécié dans le monde entier. C'est ça qui a entraîné le crash de Facebook. Aujourd'hui, les gens comprennent que Facebook, c'est pour nous endormir. Parce que, eh bien, c'est ça, ça nous. Bon, c'est un autre sujet, je vais revenir sur ça après. Donc, c'est le modèle que des experts ont établi et toute. Innovation technologique sur ce modèle. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Je l'ai pris dans des articles scientifiques sur la finance, sur les nouvelles technologies, les amis. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est comme ça que ça évolue. Il y a toujours une phase spéculative suivie d'un crash et puis réveil d'un bon projet plus tard. Donc, si tel en est le cas, ça veut dire que la situation que nous sommes en train de vivre, la blockchain est venue créer une innovation dans le secteur financier et qu'on le veuille ou non, elle va créer ce qu'on va appeler la rupture technologique dans le secteur financier. Les amis, la blockchain va créer une rupture technologique dans le secteur financier. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui quels sont ces projets qui vont être les projets de demain, mais toujours est-il que la blockchain, sur ce graphique, va créer une rupture technologique. Maintenant, si on est conscient que la blockchain va créer une rupture technologique dans les secteurs financiers, quelle est l'allure ou bien quelle est la, quelle, par quelle, c'est-à-dire quelle, comment, de quelle façon ça va se passer? Les experts ont tout établi. Ce n'est pas la blockchain qui est venue et qui est devenue le fantôme qui va tout apporter, les amis. Tout existe depuis des années. Et toute innovation, toute rupture technologique a suivi ce modèle. C'est quoi? Comment ça va se passer? Forcément, il y aura deux moments. En gros,
Donc, les deux mondes, c'est ça. On a séparé par les traits horizontaux. En haut de ces traits, nous avons l'ancien monde, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas à cette innovation technologique. Et en bas, nous avons le nouveau monde, ceux qui ont pris l'innovation au sérieux au début. L'ancien monde sera même qualifié de stupide, comme ils le disent aujourd'hui dans le secteur de la blockchain. Pour eux, les gens, ils sont bêtes. Comment vous allez mettre de l'argent dans un truc pour dire que vous êtes en train de faire un investissement dans un code, numérique, c'est-à-dire que quelqu'un s'est assis à créer grâce à des codes informatiques. Et puis, vous mettez de l'argent dedans. Comment vous êtes trop bêtes? Donc, pour eux, aujourd'hui, nous, on est fous, on est bêtes, ils nous insultent. Et ils sont dangereux, ceux-là. Mais le nouveau monde sera en train de se dire, l'avenir, c'est nous. À un moment donné, l'ancien monde, mais vu que le nombre de personnes qui continuent à adopter cette innovation technologique, à un moment donné, l'ancien monde va perdre le contrôle total. Et quand ils vont perdre le contrôle, c'est ça qui s'est passé en 2018 pour le G20. C'est réuni pour dire nous allons interdire la blockchain. Et puis quand ils vont les experts, ils vont étudier dans les niveaux, les trucs à atteindre, nous ne pouvons plus interdire. Il va falloir trouver des solutions pour accompagner ça. Et donc, en ce moment, nous on se disait oui, c'est nous. On a pris le contrôle du secteur, c'est nous désormais, et donc, c'est ça qui va entraîner un essai de confiance. Et les gens vont commencer par créer des projets. Oui, c'est nous qui allons apporter l'innovation dans le secteur, chers amis. L'ancien monde ne va pas vous laisser faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout faire pour créer la situation que nous sommes en train de vivre actuellement. Et ce n'est pas fini. Hein? Les régulations vont venir. Tout ce qu'il faut pour décourager le nouveau monde, ce nouveau monde qui a adopté la blockchain, les crypto-monnaies là, on va décourager tout le monde. Ça va créer la nervosité, le doute. À un moment donné, je suis sûr que vous qui me suivez, il y a des gens qui doutent. Est-ce que cette affaire va être sérieuse dans 10 ans, dans 20 ans? Je ne crois plus à cause de ce que nous vivons aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la blockchain et les crypto-monnaies sont ici. Nous sommes là. Mais ce n'est pas fini. Regardez, on dit l'ancien monde va nous pousser jusqu'à ce que nous abandonnons. La fuite, nous allons abandonner les crypto-monnaies. Ceux qui vont dire qu'ils ne vont pas abandonner et vont rester, ils seront obligés à un moment donné de quitter le marché ou bien de lutter à mort. Comment nous allons lutter à mort? Nous allons lutter à mort lorsque nous allons perdre totalement les fonds que nous avons mis dans ce projet. Et c'est là, l'ancien monde va prendre le contrôle du secteur. Et au moment où nous tous, on va comprendre que c'est un secteur quand même d'avenir, ce sera déjà tard. Les deux secteurs, les deux, que ce soit l'ancien monde ou le nouveau monde, on va se rendre compte que c'était évident, mais c'était déjà tard. Voilà les modèles que sur une innovation technologique, une rupture technologique. C'est la suite de la rupture. Nous sommes au niveau du verre. Il reste ces deux étapes à franchir. Surtout cette étape-là, il reste à franchir. La lutte à mort, c'est-à-dire que vous n'avez rien vu encore. D'autres choses peuvent encore venir jusqu'à ce que vous abandonnez ou bien vous luttez à mort. Voilà. Mais quand vous allez comprendre que le Bitcoin à $300 000, Ethereum à $30 000, vous allez dire, putain, c'était évident. Voilà. Chers amis, ça c'est sur le plan fondamental. Sur le plan technique, le Bitcoin évolue en cycle. Le score, qu'on appelle le score MVRV, c'est le score Zercore. C'est un score qui permet, excusez-moi, c'est un score qui permet d'encercler, je vais dire, l'évolution cyclique du Bitcoin.
Qu'est-ce qu'on constate? Chaque fois qu'il y a une bulle spéculative, vous avez vu, le marché quitte la zone verte ou la zone rouge. Il y a eu un ici en 2011, deux successivement là en 2014, un autre en 2017-2018, celle dont je vous ai décrit précédemment, et puis ce que nous avons vécu en 2020-2021. Qui n'est plus allé là où les autres sont partis. C'est ça qui a surpris tout le monde. Parce que nous tous, on était sûrs qu'il restait un peu, les marchés allaient pousser vers le haut. Mais malheureusement, ça n'a plus poussé. Et ça s'est arrêté à Michadi, au bout de la bande rouge. Et la situation de crash a continué. Chers amis, voilà, nous sommes ici aujourd'hui, en 2023. Quelle va être la suite du marché? Mais, point d'interrogation, moi je vous laisse deviner. Regardez dans le passé, des fois même en 2012, avant 2012, on est sorti un peu, ici on a glissé légèrement bas, ici, regardez. Donc voilà, nous sommes ici aujourd'hui. Moi, j'ai juste reporté. Ce n'est pas moi qui ai fait ce chemin, vous-même vous voyez, donc moi j'ai juste rapporté, juste pour vous montrer historiquement, comment le Bitcoin évolue de façon cyclique. Pour ceux qui l'ont vu dessus, mes formations savent que j'ai l'habitude de projeter cette bande où le Bitcoin évolue dans deux zones principalement, la zone bleue pure et la zone rouge pure, rouge foncé là. Et souvent, les gens me demandent, on souhaite un jour voir lors de tes présentations de Bitcoin sera dans la bande bleue pure. Chers amis, le voilà ici aujourd'hui dans la bande bleue pure. Alors, moi, je vous laisse la suite. Au vu de tout ça, je voudrais donc revenir sur la question, est-ce que l'espoir est permis? Je ne peux pas vous répondre, mais je laisse à chacun répondre au vu de tout ce que je viens de présenter. À présent, abordons quelques perspectives. Quelques perspectives. Comme perspective aujourd'hui, vous avez vu que le secteur a besoin d'une bonne blockchain smart contract ou bien d'une blockchain qui va faire fonctionner ces différents protocoles, ces différentes innovations dans le secteur financier. Cette blockchain, pour le moment, on a espoir sur la blockchain Ethereum. Donc, pour que sa mise à jour devienne une réalité. Donc, aujourd'hui, nous souhaitons vivement que la blockchain, la mise à jour de l'Ethereum 2.0 soit une réalité. Et regardez toutes les étapes qui restent à franchir. Nous sommes encore en cours, la fusion, on a fait le V-merge. Donc, il reste toutes ces étapes qui vont nous franchir. Nous souhaitons vivement que ça soit une réalité. Et l'année 2023, dans deux ou trois mois, un peu moins de trois mois, il y aura encore une autre étape à franchir par cette blockchain. Nous souhaitons que toutes ces étapes soient un succès. Deuxième élément, quand on aura cette blockchain, ça peut être, ne pas être blockchain Ethereum, mais quand on aura cette blockchain capable de faire fonctionner les différents protocoles, les différents contrats, nous allons enfin avoir une adoption, une mise à jour des différents protocoles que nous avons aujourd'hui dans les secteurs qui vont devenir correctement sécurisés et leur adoption en même temps. On n'a pas encore un stablecoin fiable aujourd'hui. Vous connaissez l'histoire de l'USDT, malgré que, même si c'est ça que tous on utilise, il a une mauvaise histoire derrière lui. Donc, on a du mal avec lui. On ne sait pas le monde de demain, ce qui va arriver demain. Ces différents écosystèmes, je viens de vous montrer qu'aucun d'eux ne répond correctement à ce que nous voulons aujourd'hui dans le secteur. Et toutes ces innovations qui sont en attente pour avoir cet écosystème révolutionnaire ou bien ces écosystèmes révolutionnaires. Ça pourra ne pas être un seul écosystème, ça pourra être plusieurs écosystèmes révolutionnaires. Et autre chose à venir, les régulations.
Les gens m'ont dit, mais pourquoi une régulation dans la perspective? Oui, on a une régulation que le monde a tendance à voir juste le côté inconvénient. Mais rassurez-vous, les régulations ont des avantages. L'objectif premier du régulateur, c'est d'aider. On ne prend pas une loi pour faire mal à une population. On prend une loi pour aider la population. Donc, c'est pour mettre fin à certaines choses. Si aujourd'hui, on arrive à une étape où les plateformes centralisées doivent avoir un agrément un peu partout, des agréments bien sûr, et donc déposer des cautions, par exemple, avant de fonctionner, ça va nous donner plus de confiance. Que si elles sont piratées, bah, les cautions sont là pour servir à rembourser des gens. Voilà des choses que les régulations peuvent apporter, c'est possible. Donc, il y a la régulation européenne qui est en cours et qui sera une réalité en 2024, c'est l'année prochaine. Ils sont en train de travailler sur ça. Les régulations américaines vont venir, c'est clair. Toutes ces régulations vont encore nous taper dessus, c'est clair et net. C'est pour ça qu'il dit qu'il reste encore l'état de lutte à mort dans le secteur. Donc, tout ça va venir. Voilà donc tout ce que j'avais partagé avec ceux qui étaient connectés le 3 janvier lors du Genesis Bloc, comme bilan et perspective du secteur. Je vous remercie et donc je vais laisser la parole au suivant. Bon, on ne va plus tout présenter aujourd'hui, hein, donc vous êtes d'accord avec moi, on va juste... passer les points essentiels. Ça va, j'ai trouvé que c'était essentiel, c'est pour ça que j'ai repassé ça. Nous allons laisser le leader Émile Lédé pour nous parler du degré de confiance qu'on peut accorder aux plateformes centralisées. Donc, si la connecté, tu veux bien nous entretenir sur ce sujet. Alors, bonsoir, chers tous. J'espère que vous avez bien consommé tout ce que le docteur a partagé avec nous. Merci beaucoup aussi au docteur pour les vraies informations qu'il vient de nous partager. Pour ma part, déjà, pour parler un peu de la confiance que nous pouvons toujours, si c'est toujours possible pour nous, d'accorder encore de confiance aux plateformes centralisées. Je dirais simplement que, d'abord, le docteur a déjà parlé un peu des difficultés que ces différentes plateformes ont rencontrées, partant déjà du début, depuis les 2014-2016 et autres, et même aujourd'hui, les difficultés que ces plateformes ont rencontrées, comment même des gens parviennent à créer des plateformes centralisées justes pour ramasser l'argent des utilisateurs. Le docteur a déjà exposé tout ça. Et donc, lorsque vous prenez les plateformes d'échange centralisées que vous voulez les utiliser, vous devez comprendre que c'est un risque. C'est un risque parce que, dans un premier temps, nous sommes en train de vivre l'effet de la centralisation dans la décentralisation. La blockchain, c'est un domaine entièrement décentralisé. Mais si on doit c'est dit à nous-mêmes que ah, nous avons un sauveur qui est la blockchain, qui est venu pour nous faire maître de notre argent, pour nous faire maître de notre propre patrimoine financier. Et que nous avons encore des plateformes centralisées qui sont là en train de protéger notre argent d'une manière ou d'une autre, selon les services qu'ils proposent. Je pense que nous ne sommes pas dans la bonne direction avec ces plateformes décentralisées. Nous devons plutôt opter pour les plateformes décentralisées pour vivre vraiment la décentralisation de Satoshi Nakamoto. Parce que Satoshi Nakamoto était venu pour proposer cette solution pour libérer en réalité le monde. Et d'ailleurs, vous voyez déjà ce que ça fait jusqu'à ce jour. Le docteur a bien partagé toutes les informations nécessaires qui concernent tous les événements qui ont déjà... Et suivi et des événements qui vont encore venir. C'est pour dire qu'il faut se préparer à tout parce que c'est un domaine nouveau. Ça continue toujours d'être nouveau malgré que ça fait déjà 14 ans. Ça continue toujours d'être nouveau parce que c'est une lutte
Et c'est une lutte farouche, une lutte, ça dit, très terrible. Et quand on va passer cette étape, étant donné que nous sommes toujours jeunes, c'est un domaine d'ailleurs pour les jeunes. Nous sommes jeunes, nous sommes toujours là et nous devons en profiter massivement. Donc, en voulant utiliser les plateformes centralisées, faites très, très attention. Vous avez déjà vécu l'événement des FTX. Vous avez déjà vu l'historique que le docteur Gossard a partagé tout à l'heure à propos de Binance même, qui a été piraté. Même Binance a été piraté déjà une fois. Mais ça n'a pas affecté Binance parce que la stratégie que lui avait adoptée, c'est vraiment fournir des liquidités sur le marché. Et il avait effectivement la liquidité des garanties, des réserves, ce qui l'a protégé contre ces piratages. Mais ce n'est pas du jeu, vous voyez? Donc, les petites plateformes qui subissent ce genre de piratage automatiquement meurent et disparaissent. C'est le cas des FTX, par exemple. Et il y a plein de plateformes qui ont subi cela déjà. Donc, en mettant de l'argent sur les plateformes données, vraiment faites prudence. L'autre alternative que moi, je vais vous proposer, c'est peut-être lorsque vous voulez utiliser les plateformes centralisées, vous voulez acheter par exemple une crypto-monnaie ou même vous voulez trader, allez simplement sur ces plateformes. Et une fois que vous finissez l'opération que vous voulez faire, dirigez-vous encore vers un portefeuille centralisé et décentralisé plutôt, ou un portefeuille semi-décentralisé, comme les cas de Trust Wallet, les SafePal et autres. Ça va vous arranger, protéger un peu votre argent, parce que tout au moins, avec Trust Wallet, par exemple, vous détenez vous-même votre argent, vous avez quand même un peu de contrôle, bon, disons entièrement de contrôle sur votre argent. C'est plus mieux que d'aller sur les plateformes centralisées et garder votre argent, votre capital là-bas. Il faut noter déjà que ceux qui ont des vrais capital, ceux qui ont vraiment de l'argent qu'ils utilisent, la stratégie qu'ils adoptent, c'est tout autre chose. Ils n'utilisent même pas les portefeuilles de quelqu'un. Ils n'utilisent même, s'ils veulent faire une opération, ils le font sur une plateforme donnée, comme le cas de Binance et autres, et en même temps, ils virent leur argent dans un portefeuille même qui, des fois, est méconnu. Donc, il faut vraiment être très prudent avec ces plateformes. L'autre chose qui fait partie des alternatives que je vais vous proposer pour pouvoir faire vos transactions, c'est souvent d'utiliser les plateformes décentralisées comme les DEX pour faire des opérations. Même si ces sites aussi souvent font face à des piratages, c'est encore plus mieux parce que, en tout cas, ils arrivent quand même à sécuriser au fur et à mesure. Et comme les solutions sont déjà en cours, le jour où ces solutions vont vraiment avoir un succès, nous pourrons vivre de la vraie décentralisation. Même si les régulations vont venir, il y aura forcément des développeurs, des startups qui vont s'élever pour créer une plateforme décentralisée comme un DEX qui sera entièrement méconnue, comme le cas de Satoshi Nakamoto l'a fait avec les bitcoins. Moi, je suis convaincu que même si les régulateurs viennent, les startups encore vont s'élever. Il y a des startups, des groupements, des développeurs qui vont encore s'élever et mettre en place des plateformes comme les DEX pour pouvoir proposer une solution. Et on ne va même pas connaître ces développeurs-là. Et ces plateformes décentralisées comme les DEX vont réussir. Et ça va encore faire l'effet de la vraie décentralisation qui est la promesse de Satoshi Nakamoto. Donc, c'est ce que je vais dire à propos de tout ça. Les plateformes centralisées sont vraiment à risque. C'est pourquoi nous proposons souvent dans nos formations, tout au moins, vu que Binance a pris déjà part des moments de turbulence, mais il a pu résister à ces moments. On essaie quand même d'utiliser Binance, de proposer Binance aux gens pour dire, OK, utilisez ça au moins, mais c'est à vos risques et périls. Parce que, en tout cas, même pour aller sur Binance, on vous dit déjà que la détention, l'achat, la vente, ou même quelque forme, quelle que soit la forme que vous utilisez pour venir avec votre argent dans les crypto-monnaies, vous devez savoir que c'est un entier risque à vous-même ou bien c'est également une responsabilité que vous devez prendre pour pouvoir vraiment les utiliser. Donc, chers amis, je n'ai pas grand-chose à partager avec vous. C'est ce que je voudrais vraiment partager à propos de ces points qui est aussi important pour l'événement de Genesis Block pour nous. Alors, je vous remercie. Je remercie également les docteurs. Alors, merci beaucoup, cher ami.
aider. Pour ces différents partages, les questions, j'ai oublié de vous rappeler que c'est à la fin, vous allez poser la question. Merci beaucoup, Coach Emile, pour sa présentation. Nous allons passer au point suivant, c'était l'adoption des crypto-monnaies. Bon, c'est le DG de Inichange qui avait fait une présentation, qu'il a partagée avec nous, évidemment, et la présentation parlait de l'adoption. Bon, je vais défiler ça rapidement puisque ce n'est pas moi qui l'ai préparé, c'est le DG de Exchange. Donc, le thème était l'adoption des crypto-monnaies, c'est le défi. Il a adopté ce plan. Il nous a défini l'adoption des crypto-monnaies, ce que ça implique. Et ça implique l'acceptation, la grande capitalisation du marché, une plus grande capitalisation du marché et une volatilité relative. Il a parlé des acteurs qui vont faciliter cette adoption. Pour lui, il y avait cinq groupes d'acteurs. Il y a des acteurs qui ont rendu facile l'accès et la vente, des plateformes qui ont développé des usages basés sur les crypto-actifs, des systèmes peer-to-peer, des académies de formation, des associations de développement de la crypto-monnaie. Donc, il a développé ces différents acteurs. Donc, vous êtes d'accord, hein? Je ne peux pas revenir sur tout ça. Et puis, à la fin, il a parlé de l'adoption par les élites, en évoquant les élites qui devaient nommer les gouvernements, les parlements, les enseignants et certains lobbies, comme je vous l'ai dit précédemment, pour cela vont venir à la fin. Et c'est eux qui vont encore prendre la main de tous les secteurs. D'accord? Donc, et puis après, il a fait une conclusion pour sa présentation. C'était très intéressant. Et c'est EasyChange, il nous a dit également que EasyChange était disponible sur Play Store et App Store et que vous pouvez télécharger. Pour ceux qui ne connaissent pas EasyChange, c'est une plateforme qui permet d'échanger des crypto-monnaies en fiat. Avant, les services n'étaient pas sur Binance. Et quand vous avez envie de changer vos pièces et personne ne veut, c'est-à-dire vous ne pouvez pas un acheteur ou bien quand vous voulez acheter, vous ne pouvez pas un vendeur vite, eh bien, ça dérange. À l'époque, il a créé ce système qui permet de changer rapidement les pièces. Donc, voilà en résumé ce que nous avons eu sur sa présentation. Je ne sais pas si le coach Emile a quelque chose à ajouter sur l'adoption. Si j'ai sauté quelque chose d'intéressant, je ne sais pas si tu peux compléter quelque chose. Bon, je pense que c'est un peu tout ce qu'il avait abordé la dernière fois, sauf qu'il a aussi parlé un peu au niveau de la zone CEMAC, les dispositions qui ont été également prises au niveau de la zone CEMAC, par exemple. Au Cameroun, avant, il y avait une interdiction liée aux crypto-monnaies, mais après, ils ont dit, ah, en tout cas, c'est un domaine qu'on ne peut pas combattre. Personne ne peut combattre ce domaine-là. D'accord? Ils vont essayer, c'est comme le docteur l'a présenté dans les documents tout à l'heure, ils vont essayer de nous faire quitter le marché de gré force, mais ils ne peuvent pas arriver à combattre ça. D'accord? Donc, c'est le cas de CEMAC. À l'époque, ils ont fait des interdictions, mais par la suite, ils ont dit, bon, trouvons un terrain d'entente. Et c'est effectivement ce qui va arriver au finish et les crypto-monnaies seront adoptées. Donc, il y a des adoptions un peu partout, hein, presque même à Dubaï. Il y a des adoptions des lois, en tout cas qui nous favorisent ici, puis on utilise les crypto-monnaies telles que cela se doit. Donc, les grands pays qui ont le goût de la technologie sont vraiment dedans. Donc, je pense le docteur le monsieur de Izichin avait parlé un peu de tout ça. Il a parlé également de la BCAO qui a mis en place un chatbot qui vous permet d'aller là-bas pour pouvoir signaler si vous avez. Et une innovation qui concerne par exemple les domaines du web, même les blockchains et autres, vous pouvez souligner ça là-bas pour qu'eux puissent analyser avec vous, pour qu'au moment des régulations, ils vont voir si votre innovation est intéressante, comment vous le faites et tout, pour pouvoir l'intégrer afin de donner une image favorable à cette innovation-là. Bon, il avait parlé un peu de tout ça, donc je pense que c'est ce que j'ai encore une idée. Et merci beaucoup. Le point suivant, c'était la gestion du bien market et la préparation du prochain cycle haussier. Docteur Marie, s'est connecté?
Bon, si il Je est crois qu'on est connecté, plus. il va écrire dans la discussion. Là, on va voir si on va Oui, l'autoriser. docteur, Marie, si tu as connecté, il faut écrire dans la partie discussion pour qu'on te donne la main et tu vas présenter. Apparemment, il n'est pas connecté. Non, il n'est pas connecté. Il n'est pas connecté. OK. Bon, il avait parlé de la réalisation du bien d'enquête et la préparation du prochain cycle aussi, qui va venir certainement selon lui. Et donc, actuellement, qu'est-ce qu'il faut adapter? Et il a montré que ce n'est pas la première fois le bien d'enquête, comme il l'a fait dans la présentation précédente, ce n'est pas la première fois un bien d'enquête, et que le marché évolue en cycle. Et que pendant la phase de bien d'enquête, il faut faire certaines choses, c'est-à-dire prendre le temps, pour ne pas perdre le temps, il faut faire du staking, il faut voir les airdrops, ces différentes startups qui créent de nouveaux projets et qui ont besoin que du monde découvre ces projets et donc ils ont besoin, ils vont créer ce qu'on appelle des airdrops, distribuer des pièces gratuitement pour que vous les aidez à faire de la publicité. Donc, il faut faire ces airdrops. Il y a aussi des jobs qui sont disponibles dans le secteur. Donc, il y a des appels d'offres chaque fois ou des appels à candidature où les gens peuvent postuler à ces différents jobs qui vont envoyer les liens. Les liens m'ont été envoyés. J'ai balancé ça dans le groupe. Je ne sais pas si vous avez reçu. Bon, ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit maintenant savent pourquoi j'ai envoyé ces liens. Donc, si vous cliquez sur ces liens, vous pouvez aller chercher des jobs qui sont disponibles dans le secteur de la blockchain des crypto-monnaies pour ceux qui ne font que des crypto-monnaies, donc peuvent faire ce job. Je pense qu'en résumé, c'était ça. Le staking, nous profiter de la DeFi, les launchpads que Binance lance de temps en temps, que si les gens deviennent bien sûr Binance, ils peuvent participer à ces launchpads. Voilà ce que j'avais retenu de la gestion du bear market. Maintenant, on prépare le prochain cycle parce que quand vous avez cette pièce et quand il y aura le prochain cycle haussier, vous allez forcément avoir beaucoup de pièces et ces pièces vont vous permettre maintenant de bénéficier correctement du prochain cycle haussier. Donc, en résumé, c'est ce que je peux dire. Si le leader mille aider a quelque chose à ajouter, il va ajouter. Ok, merci docteur. Bon, je n'ai pas grand-chose à ajouter hein, parce que, effectivement, au cours du bear market, si par exemple vous avez vraiment acheté en haut, parce que moi, par exemple, j'ai acheté du Bitcoin au moment où c'était à 35 000 dollars. Donc, quand la chute a commencé drastiquement et tout, j'étais obligé de garder, vous voyez. Donc, pour gérer tout ça là, vous devez penser à dupliquer, à multiplier vos pièces, aller sur des plateformes. Chercher des plateformes sur lesquelles on a quand même les informations sur les bons projets des crypto-monnaies qui font les staking et tout ça. Vous allez là-bas et vous cherchez ces projets pour au moins commencer à multiplier vos pièces d'abord en attendant que la valeur de ces pièces-là augmente avec les prochains bull markets. Donc, c'est vraiment important, hein, c'est vraiment important parce que vous n'avez pas le choix que de gérer de cette manière. Sinon, vous serez obligé d'accepter la perte. Et quand vous acceptez la perte, c'est par la suite les critiques qui vont commencer. Bon, la crypto-monnaie ne marche pas, j'ai perdu assez d'argent et tout ça, pour éviter, trouver les moyens pour pouvoir multiplier vos pièces. Et surtout, on dit toujours aux gens, n'investissez pas l'argent du loyer. Ce n'est pas l'argent du loyer que vous allez prendre pour aller mettre dans la crypto-monnaie. Non, ce n'est pas l'argent que vous allez utiliser pour envoyer votre enfant à l'école, que vous allez utiliser pour investir dans la crypto-monnaie. Non. C'est l'argent que vous savez que, bon, ça là, c'est pour préparer mon avenir parce que c'est une révolution. C'est-à-dire, aujourd'hui, personne ne peut plus nous faire quitter les domaines de la blockchain parce que la lutte que Satoshi Nakamoto lui-même a faite, du fait qu'il est resté dans l'anonymat avec son groupe, c'est déjà, c'est-à-dire, ils nous ont déjà sauvés de cette manière. Et donc, nous, on doit s'imprégner, on doit rester dedans, on doit rester oreille fermée contre les dégâts, les difficultés, tout ce qui peut arriver. Pour vraiment profiter de cette révolution qui va être, sera renforcée dans les 10 ans, les 20 ans à venir, et on sera toujours là. Donc, c'est pour nous, c'est pourquoi il faut trouver les voies et moyens pour toujours résister à ces moments et avancer avec ça. OK. Merci beaucoup, Bidermine. Nous allons passer au plan, à la prochaine.
présentation. C'est dans une technique de visionnaire de l'année. Bon, on n'avait pas fait de présentation sur la régulation. Le leader n'était pas disponible le jour-là. Bon, j'ai déjà évoqué les deux grandes régulations qui vont venir, la régulation MICA et la régulation américaine. Il y avait une question sur est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il y a déjà des régulations en Afrique et particulièrement au Bénin? Bon, j'avais dit qu'il n'y a pas encore de régulation en Afrique et certainement, c'est quand il y aura régulation en Europe, les gens vont copier ce qui a été voté en Europe, ils vont l'amener en Afrique, certainement. Et que pour le moment, il n'y a rien. Donc, voilà ce qu'on avait discuté sur la régulation du jour-là. La présentation n'avait pas été faite, c'est pas pour moi. Analyse technique prévisionnelle de l'année, je vais juste faire un partage et vous montrer ce que moi j'ai proposé pour le jour-là. Ce n'est pas totalement la figure que j'avais montré parce que j'avais souligné, mais c'est juste l'année, cette année seule, la suite seule, le fait qu'il y a fou le moment. Alors, pour moi, le Bitcoin va monter cette année pour aller toucher la zone de 39 000, 42 000. D'accord? 39 000, 42 000. Et après, ça aura encore une autre chute. Une chute qui, selon moi, devrait normalement encore aller plus bas que le bottom que nous avons actuellement. D'accord? Donc, une chute qui doit aller encore plus bas que le bottom qu'on a actuellement. Et c'est après ça que le marché va reprendre et monter. Vous voyez que si on continue à monter, on va à 39 000. Les gens sont sortis aujourd'hui, ils ne veulent plus entendre parler de crypto-monnaie. Mais dès que ça va venir à 39 000, ils vont dire, ah oui, c'est fini, on va encore rentrer. Et ils vont rentrer, on revient encore plus bas. Peut-être à 10 000, pourquoi pas 9 000. Je ne sais pas, ils sont en train de déterminer la valeur exacte. Mais imaginez qu'on revient pas ici. Et ben, c'est ceux qui vont rentrer ici, ben, ils vont détester à mort les crypto-monnaies. Ils ne vont plus jamais, jamais vous entendre parler de crypto-monnaie. Excusez-moi, je vais brancher mon ordinateur. Alors, donc, ils vont détester à mort les crypto-monnaies. Donc, vous voyez, vous êtes d'accord avec moi qu'ils vont détester les crypto-monnaies. Et qu'est-ce qui peut constituer les catalyseurs qui va nous faire quitter ici pour revenir ici? C'est peut-être la régulation. Peut-être que les États-Unis peuvent prendre une disposition dans le secteur. C'est des choses qui peuvent venir, qui vont construire des catalyseurs qui vont nous permettre de revenir encore au point de départ. Ça dit même plus bas que le point où on est actuellement. D'accord? Mais pour moi, cette année, la target va être 39 000, 42 000. On n'ira pas plus haut que ça, selon moi. Et ceux qui pensent qu'on va cracher pour aller à 2 000, 3 000, tout ça, je n'y crois pas une seule seconde. Mais ça, c'est moi. Ça ne fait pas un conseil en investissement. Et c'est ce plan que j'ai. C'est sur ce plan que je fonctionne pour le monde. Donc, voilà tout ce qu'il y avait partagé à l'époque, le 3 janvier avec les gens. Donc, c'était tout. Alors, les questions, vous les retenez pour la fin. Hein? Est-ce que c'était la suite, c'était quoi? Voilà, mentalité en investissement. Le coach Simon Wetrago nous avait fait une super présentation, une brillante présentation de trois passés. Malheureusement, on ne peut pas le déranger. Oui, deuxième fois pour dire de se connecter pour nous reprendre la présentation. On ne l'a pas payé pour ça. Donc, lui demander encore, mais c'est comme les autres communicateurs, personne n'a été payé. Donc, c'est parce qu'on se sent mal à l'aise de que les gens s'inscrivent pour une présentation, finalement, ils n'arrivent pas à suivre. Et c'est pour ça qu'on a cherché à reprendre un peu. Si le coach Emile a quelque chose à apporter sur ça, les points essentiels qu'il avait soulignés, donc je lui laisse la parole. OK. Bon, je pense que c'est le présentateur même qui devait vraiment tout aborder parce que c'est lui qui avait vraiment la feuille de route de sa présentation. Mais ce sur quoi il avait beaucoup plus insisté, c'est par exemple, quel que soit ce qui va se passer, quelles que soient les régulations, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons, les Ponzi, les systèmes de Ponzi, les plateformes qui crachent, les monnaies qui crachent, les plateformes centralisées qui tombent en faillite et tout, il a parlé maintenant du vrai sens de la blockchain. Si nous prenons en dehors de ces difficultés que nous rencontrons
et que c'est sur ça surtout que les gens parlent. Pourquoi eux ne parlent pas des vraies résolutions de la blockchain? Par exemple, avec la blockchain, on peut faire du mariage. Avec la blockchain, on peut faire beaucoup d'innovations dans les domaines, dans le secteur de la médecine. Avec la blockchain, on peut faire beaucoup de révolutions dans ça, dans l'agriculture, dans presque tous les domaines, la blockchain peut intervenir. Il a dit, mais si les gens parlent rien que des négativités que nous rencontrons, pourquoi eux ne veulent pas aborder là où ça profite? C'est pour dire en résumé que c'est pour décourager, pour faire fuir les gens. C'est pour empêcher les gens d'être libres avec la liberté que Satoshi Nakamoto nous a ramenée. Et donc, il a dit, si quelqu'un veut vraiment avancer, il n'a qu'à se tourner vers la lecture, parce qu'on ne peut rien sans la lecture, on ne peut rien sans un document, parce qu'il était même allé jusqu'à donner des exemples pour dire, un jour, il y a quelqu'un qui discutait, qui parlait, qui critiquait la blockchain et tout ça, et il s'est dit, mais de lui montrer si lui a lu, par exemple, un livre de 200 pages, même de 100 pages sur la blockchain, et s'il lui montre, il va lui payer quelque chose. Et il avait donné un truc comme ça. Donc, il a donné plein d'exemples. Donc, c'est pour dire en résumé que la blockchain est là pour rester. Et la preuve, on y connaît Satoshi Nakamoto. Si on dit FBI ou bien la CIA, hein, la CIA n'est pas arrivée pendant 14 ans à savoir qui est Satoshi Nakamoto. Chers amis, c'est pour dire Dieu a libéré le monde. D'accord? Dieu a libéré le monde. Si les grands enquêteurs ne sont pas parvenus à détecter qui est Satoshi Nakamoto, c'est pour dire vraiment Dieu a déjà fait l'essentiel pour le monde entier. Donc, nous devons nous concentrer, et là, parler vraiment d'avoir une mentalité très forte, une mentalité d'investisseur, une mentalité qui prend la responsabilité absolue de soi-même. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'on leur conseille une crypto-monnaie, après, quand ça commence à avoir des problèmes, on commence à dire, ah, c'est telle personne qui nous a conseillé ça, c'est telle personne qui nous a dit d'acheter ça, c'est telle personne, c'est sur lui, on avait confiance. Mais vous voyez, par exemple, les docteurs venaient de présenter tout ce qui s'était bien passé jusqu'à ce jour. Donc, la responsabilité ne revient que à vous. Quand vous prenez votre décision d'investir dans la crypto-monnaie, sachez que vous avez la seule et seule responsabilité et vous devez gérer tout ce qui va venir par la suite. Prenez l'exemple, quand vous vous lancez dans une entreprise de façon physique, vous créez votre entreprise de façon physique, vous pouvez rester sans bénéfice pendant des années, ou même vous pouvez rester dépenser votre propre argent pendant des années et fermer encore. Depuis que moi j'ai connu les crypto-monnaies, je me suis dit que les risques que je prenais avec les activités physiques, avec maintenant les crypto-monnaies, c'est très moins. Quand vous comparez un peu toutes les tracasseries que vous avez, quand vous avez eu un business physique, vous voyez un peu les difficultés que vous rencontrez passer, les nuits blanches que vous. C'est-à-dire, on voit que les business physiques, c'est vraiment des problèmes par rapport à ce que nous vivons avec les crypto-monnaies. Donc, chers amis, prenez vraiment votre responsabilité dans tout ce que vous faites au sein de la blockchain. Prenez vraiment, ayez une mentalité très, très forte et cela va vous permettre de vraiment profiter de tout ce qui se passe. Donc, je pense que c'est tout ce que je peux dire par rapport à ce que le coach avait abordé. Bon, c'est lui-même qui pouvait tout dire quand même. Merci beaucoup, cher ami Emile. Alors, je pense qu'on a abordé tous les points. Je vais rapidement faire un résumé sur la présentation de la NTBC. Ça a été fait, mais celui qui doit faire pour Blockchain Family n'a pas pu faire les deux là. Là, maintenant, il m'a dit qu'il ne pourra pas, il est occupé, il ne pourra pas faire sa présentation non plus. Donc, je vais rapidement faire le résumé de la NTBC dans quelques diapos. Pour ceux qui connaissent la NTBC, déjà, ça vaut la peine. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Académie des nouvelles technologies de la blockchain et des crypto-actifs. Ça a été créé en 2018, hein, par moi-même. J'étais parti d'un constat que le numérique offre de nombreuses opportunités dans le monde aujourd'hui, le numérique et en particulier la blockchain. Et pour moi, le numérique va avoir un impact économique sur le monde entier, surtout le continent africain. Et j'avais constaté que au moment où les gens cherchaient des bonnes choses pour voir ce qu'ils vont apporter,
C'est les fausses blockchains et les faux cryptoactifs qui pullulaient à l'époque en Afrique. Hein. Je ne veux pas donner des noms pour ne pas frustrer les gens. Sinon, les TBC, les machin, les. Comment vous appelez ça? Les YEM, machin. Donc, c'est des choses qui ont. On a lutté contre à l'époque. Donc, moi, j'étais parti de ces constats. Et puis, OneCoin, vous voyez, OneCoin, j'étais le seul à lutter à l'époque contre OneCoin. En 2016, je me rappelle de ce Guinéen, un homme politique guinéen qui est venu au Bénin pour investir 82 millions dans OneCoin. Et puis, je disais, les amis, on va prendre ça, mettre dans le Bitcoin. Ils ont dit non, que OneCoin est l'avenir. Et il a mis 82 millions parce que lui, pour lui, il voulait investir dans quelque chose pour avoir de retouches d'investissement importants pour pouvoir aller faire campagne et devenir président dans son pays plus tard. Mais les 82 millions sont partis et puis aujourd'hui, zéro. Donc voilà des choses qui dérangeaient l'Afrique à l'époque et c'est pour ça qu'on avait créé un TPC pour lutter contre tout ça. Et la vision de permettre à la jeunesse africaine de comprendre les enjeux du numérique et de permettre à la jeunesse de maîtriser le trading surtout et d'être véritablement productif. Je sais qu'il y a beaucoup de formateurs sur le trading, mais moi, mon objectif, c'est de s'assurer que la personne, vraiment, ce que je lui donne comme message, ça lui profite vraiment et qu'il est vraiment productif. Je vais m'assurer du côté productif du trading. Et la mission est d'impacter avec le numérique la vie des jeunes Africains dans les domaines professionnels, sociaux et académiques, permettre à tous de devenir de potentiels entrepreneurs, consultants dans les marchés boursiers, crypto, investisseurs agréés. Et toutes nos formations étaient en présentiel. Et on a trouvé comme solution, c'est-à-dire mécanisme pour lutter, pour atteindre nos objectifs en nous basant sur cette phrase de Robert Kiyosaki qui dit « La connaissance, c'est l'éducation plus l'information ». Vous avez l'information que tout le monde, les gens peuvent devenir riches grâce à la blockchain et les crypto-monnaies, que les gens peuvent devenir riches grâce au trading. Mais combien de personnes vont chercher à aller sur une éducation, une formation du secteur avant d'embrasser le secteur? C'est ça la question. Et donc, pour nous, tout le monde a déjà l'information. Surtout encore aujourd'hui, tout le monde a l'information. Mais il reste quoi? Il reste la formation en papier, l'éducation en papier qui doit accompagner cette information que vous avez. Si vous n'avez pas cette éducation, l'information ne va pas vous servir. L'information seule ne suffit pas. J'ai l'habitude de dire aux gens, regardez à côté de vous, le plus grand immeuble qui est à côté de vous. C'est un être humain qui l'a construit. Demandez-lui qu'est-ce qu'il fait pour construire ça. Il va vous donner, il va vous dire. Mais le fait de vous l'avoir dit ne suffit pas pour faire la même chose comme lui. Il faut qu'il vous montre comment ça fonctionne. S'il ne vous dit pas comment ça fonctionne, vous ne pouvez pas faire la même chose que lui. Et les gens, là, on a tous écrit crypto-monnaie, mais il n'y a pas de formation à suivre. Allez acheter les crypto-monnaies seulement. Il dit, bon, OK, allez acheter, il n'y a pas de souci. Allez faire du trading, tout est sur YouTube. Je vous assure. Dites-moi, les graphiques que je viens de partager lors de ma première présentation, dites-moi, sur quelle page YouTube vous pouvez retrouver ça? Si quelqu'un trouve ça sur une page YouTube, il n'a qu'à m'envoyer ça. Ça n'existe pas, les amis. Les vraies informations ne vont jamais circuler sur YouTube. Moi, je me suis abonné à des sites où je paye 799$ par mois pour avoir. Même les graphiques de l'aide capitale que vous pouvez vous montrer tout à l'heure, je n'ai pas pu tout lire avant la séance. On paye pour l'avoir. Si ça pouvait être disponible sur YouTube, on aurait payé pour avoir ça. Non, la société qui a travaillé sur ça, lui, va sécuriser sa chose. Le temps que, au moment où ça doit être vraiment indispensable, la période où ça doit être indispensable passe d'abord avant qu'il ne me le rende public. Au moment où vous allez le voir publiquement, c'est déjà passé et vous en avez plus servi. C'est comme ça, les amis. Bon, moi, c'est mon point de vue, mais ce n'est pas obligatoire. Une autre stratégie, à cause des faux trucs qui circulaient en Afrique, on avait décidé de faire une sensibilisation pour les risques liés au hype, aux crypto sans projet, aux faux crypto-actifs qui pullulaient. Donc, on faisait beaucoup de sensibilisation et on a rencontré quelques difficultés, évidemment, notamment le COVID-19 qui est venu, puisque on faisait toutes nos formations en présentiel, mais avec COVID, on a été obligé de rendre les formations en ligne. Et secondo, il y avait les Africains, c'est difficile, puisque de leur convaincre de venir sur une formation et d'abandonner les hype. Vous avez deux personnes qui viennent vers vous. Une personne vous dit, mon cher, donne 1 million et chaque jour, tu as
20 000 ou 50 000. Et l'autre dit, donne-moi les 1 million, je vais t'apprendre quelque chose. Mais à qui vous allez remettre les 1 million? Celui qui dit, donne 1 million pour prendre 50 000 chaque jour, c'est à lui que vous allez remettre les 1 million. Donc voilà le véritable problème. Bon, moi, il y avait quand même des gens qui ont compris l'importance de la formation. Nous avons formé en présentiel, à la date d'aujourd'hui, 682 personnes de part dans la sous-région Bénin, Togo, Burkina Faso et au Niger. Voici quelques images de nos anciennes formations où on donnait des formations en présentiel. Nous avons sensibilisé les gens, 4088 personnes en présentiel. Vous imaginez, 4088 personnes en présentiel. Vous les dites, abandonnez les hype, abandonnez les trucs qui vont vous appauvrir. Ce n'est pas ça la blockchain, ce n'est pas ça la crypto-monnaie. Ici, c'est une image du Togo que j'ai prise pour mettre ici. C'est à cause du Togo, ça s'est passé comme ça. Et puis, le Genesis Block, nous sommes à la quatrième édition aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui ça annoncé, c'est depuis 2019 que nous avons organisé le premier Genesis Block. 2020. On a fait 2020, 2021, 2022, et donc c'est la quatrième édition qu'on est en train de faire. Donc, vous voyez quelques images. Hein. Vous pouvez reconnaître le coach Emile Lédé ici. Il est quelque part là. Vous voyez, il revenait de Dubaï fraîchement pour nous rejoindre rapidement parce qu'il était arrêté dans les jours là. C'est juste pour les taquiner. Alors, donc. Ici, la quatrième édition que moi, je n'ai pas pu suivre, mais j'ai suivi ça en ligne avec Emile Lédé. Moi, j'étais à Paris, Emile Lédé était à Dubaï, on a suivi ça en présent, en ligne. Donc, mais ça se passait en présentiel. Vous avez vu les images. Donc, voilà autant de trucs que nous avons pu faire. Bon, ce n'est pas beaucoup, parce que malgré tout ça que nous avons fait, il y a des gens qui continuent de faire des hypes. Mais moi, je me demande, bon, est-ce que ça vaut la peine de continuer à se battre? Parce que pourquoi on fait tout ça? C'est parce que quand ils vont continuer à faire le hype, ils vont aller tomber sur les autorités. Ces autorités vont leur donner de l'argent. Ils vont mettre ça dans le hype. Et ça va scammer demain. Demain, quand ces autorités vont vouloir prendre des régulations, des dispositions, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont juste interdire parce que pour eux, ils ne savent pas la différence entre crypto-monnaie et hype. Il y a des gens aujourd'hui, quand on parle de crypto-monnaie, pour eux, c'est hype. Et quand on parle de hype, pour eux, c'est crypto-monnaie. Donc, c'est ça le véritable problème, les amis. Voilà pourquoi moi je dis, si nous voulons protéger les secteurs en Afrique, nous devons sensibiliser les gens sur le vrai. Ne soyez pas étonnés demain si nos dirigeants, vous les connaissez, excusez-moi de dire, je recevrai un qualificatif de nos dirigeants. C'est les gens qui ne vont pas réfléchir, hein. Ils ne vont ou n'ont pas d'experts à appeler. Ils vont juste prendre des dispositions radicales. Nous interdisons la blockchain, le trading en Afrique, c'est fini ça. Les plateformes auxquelles vous avez accès aujourd'hui pour faire tout ça, pour interagir dans le secteur, vous ne pourrez plus avoir accès à ces plateformes. C'est fini. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire, à moins que vous quittiez le pays. Mais combien de personnes auront les moyens de quitter le pays? C'est ça le véritable problème. Voilà pourquoi, autour de nous, nous devons passer la bonne information. Les hype, ce n'est pas la crypto-monnaie. Ce n'est pas la crypto-monnaie. Yem, ce n'est pas la crypto-monnaie. Puis, on a encore amené un autre. Ce n'est pas le prix que vous avez vu sur le market cap, là, qui est celui que vous avez dans vos portefeuilles. Vous avez vu la différence. Et ils ont annoncé sur Twitter pour dire que ce n'est pas le prix qui est sur les marchés d'échange. Les amis, allez étudier ce que c'est que la blockchain et les crypto-monnaies pour savoir exactement comment le secteur fonctionne. Allez étudier à fond les trading. Les trading, ce n'est pas une activité facile. Hein. Ceux qui pensent qu'ils vont prendre de l'argent, mettre dans les trading et gagner rapidement et devenir milliardaire, je vous assure que ce n'est pas du tout facile. Et les quelques perspectives, bon, aujourd'hui, nos formations sont totalement en ligne. Moi, j'ai dit tout ce qui a fait crypto-monnaie, crypto-monnaie, blockchain, tout, débutant jusqu'à l'avancé. On a tout enregistré en vidéo aujourd'hui et c'est disponible dans un canal Telegram. Si quelqu'un paye son 100 000 francs, on le met dans le groupe et il peut suivre ses formations sur la blockchain, les crypto-monnaies, du début jusqu'à la fin, pour devenir, pour avoir tout sur la blockchain, les crypto-monnaies. Tout a été déjà fait. Et donc, c'est disponible à 100 $ pour celui qui veut suivre. Vous n'allez pas pouvoir les télécharger et les mettre sur vos trucs, mais vous avez accès 24 heures sur 24 sur ça, dans votre compte Telegram et vous les suivez. Sensibiliser les gens sur les réseaux sociaux, on continue de sensibiliser ceux qu'on peut. Il y a un groupe Telegram, on sensibilise les gens. Aider les États à faire des secteurs. Oui, les États m'ont contacté, mais comme moi je les ai dit, j'attends forcément ce que. Qu'on appelle l'Europe va faire pour savoir comment ils vont prendre les dispositions pour se baser sur ça, pour proposer des choses à l'Afrique.
œuvrer pour la création d'une association des acteurs du secteur de la sous-région. Donc, on avait discuté le 3 janvier passé aussi sur ça. On a dit, on va voir comment faire pour que nous créions une association. Parce que demain, nos dirigeants peuvent nous contacter et dire, bon, voilà, nous voulons des gens avec qui communiquer, qui on va mettre devant pour nous représenter. Donc, il faut qu'on aille, qu'on crée une association des acteurs du secteur de la blockchain et des crypto-monnaies dans la sous-région. Je pense qu'on va le faire en 2023, avant la fin de l'année. Et pour pouvoir avoir une seule communication. Donc, voilà tout ce qu'on avait présenté. Pour nous, l'éducation, avant tout, hein, si on vous dit quelque chose que vous allez devenir milliardaire en un jour, ben, moi, je vous dis en même temps que c'est faux. Ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part. Il faut l'éducation. Quand celui qui a la connaissance, là, vous savez, la connaissance est riche plus que tout. La connaissance, c'est... Mais même ceux qui critiquent formation, mais quelqu'un qui te donne son argent, d'accord, pour avoir ou suivre une formation, s'il te donne l'argent et qu'après, tu ne lui as pas apporté quelque chose de vrai, est-ce qu'il sera d'accord avec toi? Non. Mais si la personne n'a rien dit, c'est parce qu'il a reçu une connaissance de toi. Il sait ce qu'on appelle connaissance. C'est en Afrique, moi j'ai dit toujours une chose, c'est en Afrique qu'on suit des formations et puis après, vous devez aider les gens, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Moi j'ai suivi beaucoup de formations en ligne, beaucoup. On vous donne un délai, par exemple la formation dont je vous parle, ce n'est pas comme ça sur, en ligne là. On vous donne un délai, c'est 3 mois, vous avez 3 mois pour tout suivre. Les 3 mois sont terminés, soit vous renouvelez le paiement et on vous laisse dans le groupe, mais on vous fait sortir. J'ai été victime de tout ça en 2017-2018, plein. J'ai payé la formation sur le développement à des jeunes développeurs. On les a fait sortir du groupe après 3 mois. Oh, ils étaient occupés, ils faisaient autre chose. On les a fait sortir, ils n'ont pas suivi la formation. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais nous, on dit non, comme on est en Afrique, avec tout ce qui se passe, on va, c'est nos frères, il faut qu'on trouve des solutions autrement. The New World qui a aussi mis une formation en place où vous payez la formation et la formation que vous avez payée là, on prend les frais de formation pour investir dans les crypto-monnaies et les frais de staking, les gains de staking là, vous sont donnés chacun, vous sont distribués. Mais les gens disent que, bon, les gens, moi, je me demande qu'est-ce qu'on peut, comment on peut encore aider les gens, parce que ça. Donc, voilà tout ce que nous avons, tout ce dont nous avons discuté le jour là. Oui, docteur, on ne vous reçoit plus. Allô, docteur, on ne vous reçoit plus. Oui, excusez-moi. J'avais cliqué sur, j'avais désactivé le son. Alors, donc, voilà ce que j'avais partagé, on avait partagé avec les gens le jour-là. Je pense que tous les points étaient abordés maintenant. Bon, on aurait bien souhaité découvrir Blockchain Family. Hein. C'est une radio que M. Kevin et son équipe ils ont créée et ils invitent des gens qui maîtrisent des sujets dans les secteurs de la blockchain et des crypto-monnaies. Et puis, ensemble, ils discutent de ces sujets. J'avoue qu'ils font un bon travail parce que, d'une manière ou d'une autre, ils sensibilisent les gens sur les faux pour qu'ils abandonnent les faux. Malgré ça, bon, vous savez, nous, Africains, quand l'Africain lui a promis de devenir milliardaire dans un an, dans 3 mois, dans 4 mois, bon, donc, quel que soit ce que vous allez lui dire pour le détourner, aujourd'hui, ne va pas accepter. J'avoue que des gens continuent de mettre de l'argent dans YEM aujourd'hui. Les gens continuent de mettre de l'argent dans TBC jusqu'aujourd'hui, jusqu'à l'heure où je vous parle. Donc, voilà le problème de l'Africain. C'est difficile. Et demain, ils vont dire à la crypto-monnaie, la blockchain, ce n'est pas bon. Donc, ils ont un groupe Telegram également et puis ils discutent de tout ce que... tous les entretiens, tout ce qu'ils font ensemble, tous les thèmes qu'ils débattent, ils discutent de tout. Donc voilà, chers amis, nous sommes à la fin. Je vais laisser la parole à Emile Edé. S'il a quelque chose à ajouter, il ajoute. Et puis nous allons passer à la phase question. Merci. OK, merci beaucoup, docteur, pour
vos différentes présentations. Bon, je n'ai plus rien à dire, on va juste recevoir les questions. Donc, pour les questions, je vais ouvrir les micros de tout le monde pour que celui qui veut parler, lui, il active pour lui et il va parler. Mais pour celui qui ne veut pas parler, n'ouvrez pas votre micro parce qu'il faut quand même, il faut quand même qu'on préserve la vidéo pour ne pas qu'il y ait un peu de désordre dedans. Donc, j'active le micro pour que ceux qui veulent poser des questions, vous les posez. Ou bien on va faire comme la dernière fois où les gens posent les questions en écrit. Oui, ce sera bien. Ok, donc si Ça vous veut dire avez que si des vous voulez questions, poser des questions. voilà. Si vous voulez poser des questions, vous écrivez ça dans la discussion et en lien, on vous répond. Voilà, on fait comme ça, c'est mieux. Oui, c'est bien. Donc, j'ai ouvert la discussion. Je suis la première question qui vient. On commence par répondre. Voilà, exactement. Donc, celui qui a une question à poser, écrivez ça dans la discussion et puis on va vous répondre. Possibilité d'avoir l'enregistrement pour nous qui avons pris en retard. Donc, attendez, je vais arrêter l'enregistrement d'abord. Oui, nous allons essayer de partager ça dans les différents télégrammes. On va essayer de partager. Mais ça va prendre du temps. Vous savez, ça va être un fichier lourd. Donc, on va envoyer ça quand même. Le holding est-il toujours bon aux investisseurs? Oui, ben, il faut savoir ce qu'il faut holder. Je vous avais parlé de la rupture technologique tout à l'heure. Il y aura des projets qui ne vont jamais se réveiller. Ça, c'est clair et net. Hein. Il y aura des projets qui ne vont jamais se réveiller. Ils vont mourir. Ben, si c'est ces projets que vous détenez, ce n'est pas bon pour vous. C'est le bon moment de holder maintenant. Ben moi, j'ai fait une présentation. C'est vous, le choix, la décision vous revient. Pour moi, c'est bon. Donc, mais j'ai fait sortir des modèles pour vous présenter. Maintenant, c'est vous qui prenez la décision finale. Hein? C'est vous qui prenez la décision finale. Bonsoir, docteur. Ou bien, attends, j'ai sauté une question. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur Mille. Je voudrais vous demander qu'on aille rapidement en audio pour les questions. Ce serait rapidement, s'il vous plaît. Bon, OK. Cher ami Mille, on va activer le micro pour que ceux qui veulent poser des questions. C'est pour éviter qu'il y ait des bruits bizarres, c'est pour ça qu'on avait refusé. Mais on peut activer le micro et si les gens veulent poser des questions, ils vont poser. Ceux qui veulent préfèrent écrire, vont écrire. Il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. Donc, je vais le faire tout de suite. Bonsoir, merci pour la rediffusion. Je demande le lien dont vous avez parlé. Le lien pour avoir le boulot là, le job là. Donc, attendez, je vais voir si je peux envoyer ça rapidement. Donc, c'est déjà bon. Celui qui veut parler, il peut allumer son micro et poser sa question. Alors, bonsoir, docteur. Oui, bonsoir. Bonsoir, Emile. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, moi, c'est pour savoir pour un investisseur qui n'a pas suffisamment de moyens actuellement. Est-ce que dans 3 ans, dans 4 ans, s'il arrive à avoir des moyens, est-ce qu'il aura l'occasion encore d'investir dans des crypto-monnaies? Ne sait pas ce qui va se passer dans 4 ans, dans 5 ans. Peut-être que ce sera la partie bull market. On sera encore en face, à la fin du bull market. Imaginez qu'on est à la fin du bull market et puis vous dites que est-ce qu'on peut mettre de l'argent dans le marché en ce moment? Donc, la réponse sera non. Mais si on a fini le bull market, on était à la fin, on a un crash.
et on est encore à la phase de consolidation du crash. Bon, en ce moment, ce serait bon. Donc, tout dépendra de ce qu'on aura en son temps. Donc, c'est ce que je pense répondre. Alors, bonsoir. Merci pour la réflexion et demande le lien. Donc, je viens d'envoyer le lien. C'est lui qui a demandé le lien. Je viens d'envoyer ça. Le lien des différents jobs dont le docteur Marius a parlé. Merci. Quelle vision globale pour l'avenir des crypto-monnaies, la blockchain en Afrique? Quelles sont vos ambitions futures? Vision globale, déjà, c'est que nous, première chose, il faudrait d'abord que nos autorités puissent comprendre pour ne pas prendre des décisions radicales, parce que moi, j'ai peur de ça. Parce qu'il y a beaucoup qui perdent de l'argent dans le secteur. Ça, il faut reconnaître ça. Et donc, ça pourrait amener nos dirigeants à prendre des décisions radicales. Il faut d'abord ça. Deuxième chose, moi, j'encourage les gens, ceux qui à créer des bonnes choses en Afrique. D'accord? On ne va pas être là, rien que les consommateurs, vraiment. Il faut vraiment des trucs fiables. Je viens de présenter les différents groupes de besoins que nous avons dans le secteur aujourd'hui. Les stablecoins, les différents écosystèmes, les différents protocoles de défis, de gaming, tout ça. Il faudrait qu'on ait des startups vraiment qui ne sont pas là pour venir juste pour voler l'Afrique, pour voler une partie des gens qui vont innover des choses vraiment. Donc, c'est des choses que nous voulons vraiment créer et voir comment la blockchain peut apporter des solutions à des problèmes en Afrique. On en discute déjà avec Émile. On avait fait une présentation déjà sur ça, groupe NUD, où on a essayé de recenser tout les secteurs dans lesquels la blockchain peut avoir d'utilité. Et donc, on peut prendre des cas d'usage dans le secteur de l'agriculture, dans le domaine du transport, dans le domaine de santé, les cas d'usage de la blockchain en Afrique, vraiment, et même dans le domaine du foncier, surtout dans le secteur du foncier. Donc, la blockchain peut avoir des utilités. Et donc, il faudrait que nous ayons des cas d'usage pratiques déjà fonctionnés pour montrer à nos dirigeants qu'effectivement, la blockchain n'est pas que la spéculation sur les crypto-monnaies, les actifs financiers, les actifs, les tokens, mais que la blockchain a d'autres utilités. Voilà qu'on appelle notre vision future de la blockchain en Afrique et quelques de nos ambitions. On ne peut pas tout lister les ambitions ici. On a des grandes ambitions, pas ce qu'on dit là, mais on ne peut pas, des ambitions bonnes quand même, qu'on ne peut pas tout lister ici. Ma question s'adresse au leader Émile. Oui, mais où est la question? Vous n'avez pas posé la question. Monsieur Oga, si vous pouvez poser la question au leader Émile, vous pouvez, allez-y. Monsieur Oga, vous avez dit ma question s'adresse au leader Émile, mais vous n'avez plus posé la question. Bon, s'il nous rejoint, il va poser sa question. Une crypto qui meurt peut-elle surveiller encore? C'est-à-dire une crypto qui a déjà fait moins 99%, voire moins 100%, peut-elle encore se réveiller au prochain boulot? Bah, tout dépend, c'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas aller mettre de l'argent dans n'importe quoi. Il y a des projets qui vont tomber, qui ont fait moins 90%, des plans Solana. Solana a fait plus de moins 90%. Mais qui peut encore se lever si le fondamental derrière la monnaie, bon, il faut voir ce qu'il a fait moins 99%. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut étudier les projets. Il faut étudier pour savoir ce qui se passe exactement dans chaque secteur. Mais il y a des projets qui ont fait moins 99%, voire moins 100%, qui ne peuvent plus jamais se réveiller. Ça, c'est clair et net. C'est clair et net. Maintenant, il faut avoir un modèle pour suivre. Forcément, un modèle. Parce que si vous dites, oui, je ne peux pas répondre, OK, les projets qui ont moins 99% peuvent se réveiller, donc je vais les acheter. Je pense que ce n'est pas bon comme ça. D'accord? Donc, il faut avoir un modèle à suivre. C'est très important, hein? Un modèle à suivre, c'est très, très, très important. C'est dans cette année qu'on aura une baisse plus que la baisse actuelle. Je ne sais pas si ça va être cette année forcément, mais dans tous les cas, il y aura une baisse plus grave que la baisse qu'on a eue actuellement. Quel est l'avenir de la monnaie Poutine? Monsieur Oga, oui, la question. C'est la question que vous adressez à Monsieur Emile. Oui, docteur, c'est la question.
OK, d'accord. Bon, donc, le leader Emile, vous avez la parole. OK, d'accord. Je pense que l'avenir de la monnaie potente, comme le docteur l'a dit tout à l'heure, lorsque vous étudiez les projets, vous devez les étudier sur le long terme. Quel est le projet derrière la monnaie? Même au début de Potent, quand on était en train d'investir en ICO de Potent, je vous avais donné tous les détails nécessaires. J'avais même parlé aux gens de comment on prend des profits lorsqu'un projet rentre en bourse après son ICO. Donc, on avait partagé quand même des maximums d'informations. L'avenir d'un projet ne peut provenir que de l'analyse absolue de son projet derrière la monnaie. Donc, il faut continuellement étudier les projets, continuellement étudier les nouvelles sur les projets. Et là, vous saurez si vous devez toujours garder votre confiance sur les projets ou vous allez sortir ainsi de suite. Oui, allô? Attendez, NSA, on va finaliser toutes les questions qui sont dans la partie discussion. D'abord, ça peut aller comme ça? Oui, on fait comme ça. Bonsoir à toutes On et fait à comme ça d'abord. tous. Oui, merci à toute l'équipe de la NTBC. Qu'en est-il de la spéculation d'une nouvelle chute d'Ethereum à 1000 avant de rebondir? Bon, ça peut arriver, mais chacun est libre. Hein? Ça, dans le trading, ça peut arriver. Même si Ethereum vient à 1000, quelle est la différence entre celui qui a payé Ethereum à 1000, 200 et celui qui va l'acheter à 1000? Moi, en tant qu'investisseur, moi, je ne vois aucune différence entre les deux. Parce qu'au finish, nous tous, c'est pour aller le vendre à combien? Peut-être à 1800 ou 2000. OK, lui, il a vendu pour lui à 2000. Et moi, j'ai vendu pour moi aussi à 2000. Alors que moi, j'ai acheté à 1200, il a acheté à 1000. Eh bien, voilà la différence. Maintenant, il attend que le Ethereum vienne à 1000. Et puis, demain, Ethereum se retrouve à 1500. Il viendra l'acheter à 1500. Donc, voilà le problème. Donc, voilà, bon, c'est le raisonnement d'un investisseur. Nous, on a des zones d'intervention. Moi, en tant qu'investisseur sur les marchés, il y a des zones d'intervention. D'accord? Et pour moi, en tant qu'investisseur, il n'y a aucune différence entre 1000 et 1200 pour Ethereum. En tant qu'investisseur. Mais ce n'est pas un conseil en investissement, chers amis. Docteur, s'il arrivait qu'effectivement les États interdisent un jour l'utilisation des crypto-monnaies, suppriment les plateformes, interdisent les trading, etc., en voyant tout comme du hype, comme vous venez de le dire, qu'est-ce que vous pouvez faire en son temps pour nous aider, nous qui n'avons pas les moyens de voyager pour aller à l'extérieur et qui sommes fans de la blockchain, de la technologie blockchain? Oh, bon, moi, je ne peux rien contre les États. Mais la seule chose que vous pouvez faire en son temps, c'est d'utiliser la VPN. Donc, vous trompez que votre poste, votre ordinateur, vous connectez, vous allez utiliser un VPN et vous connectez, vous choisissez un pays, vous choisissez un pays où la crypto-monnaie est acceptée. Et donc, ça veut dire quoi? L'Internet reconnaît votre poste comme si vous étiez dans ce pays. D'accord? Quand on a interdit Binance en Russie de donner formation dans la période où la guerre en Ukraine a commencé, où Binance a coupé la Russie, mais les gens étaient en Russie pourtant utilisaient encore Binance. Donc, c'est des choses qui sont grâce au VPN, là. Donc, c'est des choses qui sont possibles. Ça, là, il n'y a pas de grands soucis. Mais n'allez pas dire aux États que c'est manqué et que quand ils vont couper, d'utiliser le VPN. Donc, c'est des choses qui vous permettent de récupérer vos fonds sur les plateformes. Merci. Quelle vision globale pour l'avenir des crypto-monnaies et la blockchain en Afrique? Quelles sont vos ambitions futures? Bah, j'ai déjà répondu à la question. Comment effectuer les paiements pour intégrer le groupe Telegram de formation en trading des cryptos du docteur Dossa? Non, le groupe de Telegram, le groupe de Telegram que vous allez intégrer pour la formation, c'est uniquement sur la blockchain et les crypto-monnaies. Il n'y a pas de trading dedans. Les amis, que ça soit clair, c'est une formation uniquement sur la blockchain et les crypto-monnaies. Les options sont différentes. D'accord? Donc, ceux qui veulent intégrer, ils peuvent écrire au 69 59 30 52. Donc, vous écrivez à ce numéro, vous allez intégrer. Donc, plus de 129 au début. 69 59 30 52. Si vous écrivez à ce numéro, vous allez intégrer le groupe. Oui,
J'ai sauté beaucoup de personnes. Comment effectuer le paiement pour intégrer le groupe Telegram? C'est ça que je viens de répondre. Merci beaucoup pour la présentation. C'est ma première fois dessus. Je dis, donc c'est très bien. Cher top leader, je ne vais plus jamais manquer. Merci beaucoup à toi aussi. Merci beaucoup. On a l'habitude de le faire en présentiel. Je souhaite que l'année prochaine, que ça soit en présentiel, vous allez pouvoir se connaître davantage, se partager les contacts. C'est souvent très, très, très intéressant. Très, très intéressant. Les gens viennent d'autres pays. On se voit, on discute. On va mettre l'association en place. Ce ne sera plus dans un seul pays que ça va se passer. On va délocaliser ça. Parce qu'on a dit pour toute l'Afrique, il ne faudrait pas que ça soit chaque fois au Bénin. D'accord? Les trois autres éditions étaient organisées au Bénin. Les autres leaders étaient obligés de quitter leur pays, prendre l'avion pour venir suivre. Donc, quand l'association sera en place, je pense qu'on pourra choisir le pays qui va accueillir l'organisation de Genesis Block. S'il vous plaît, docteur, je voudrais vous écrire en privé WhatsApp par rapport à la récupération de nos comptes. Bah, il faut m'écrire, il n'y a pas de souci. Nous avons des projets dans la blockchain où nous voulons introduire l'agriculture et l'immobilier dans la blockchain. Où pouvons-nous avoir des développeurs blockchain? Mais ça, c'est... il y a des développeurs partout. Donc, il y a des développeurs, hein, des développeurs seulement que tous les développeurs que vous avez, vous connaissez, peuvent faire ça aussi. Seulement qu'il faut qu'ils suivent une formation sur la blockchain. C'est-à-dire, parce que le développement sur la blockchain est totalement différent du développement qu'ils font d'habitude. Donc, il faut qu'il ait une formation. Maintenant, s'il n'a pas de formation, vous voulez des gens qui ont déjà cette formation, il y a des startups, on peut vous mettre en contact avec les startups que vous contactez, le leader est mis l'aider ou bien moi en privé, vous allez, on peut vous mettre en contact avec des startups pour que votre projet soit bien clair. Pour que les startups, lui, c'est juste les codes informatiques qu'il va écrire. Mais en se basant uniquement sur ce que vous avez comme projet, il faut que votre projet soit bien clair. Et il faut qu'on voit ce que vous voulez exactement. Et vous avez besoin du contrat intelligent décentralisé pour tourner ça. Donc, c'est ça. Je donne un exemple. L'Europe a souvent refusé qu'on importe des produits de l'Afrique vers l'Europe, juste parce qu'ils ne savent pas dans quelles conditions ces produits ont été cultivés. Eh bien, une chose serait, par exemple, d'installer des appareils qui vont recueillir les conditions dans lesquelles les produits vont être cultivés. Ces appareils vont envoyer les données directement sur sur une blockchain qu'on ne peut plus modifier. Et donc, ces données sont consultables à tout moment par l'Europe. Comme ça, ils peuvent savoir dans quelles conditions nos produits sont cultivés. Vous savez que le Bénin est le premier pays qui... Bon, pas le premier, je ne sais pas en termes de premier de classement, mais le Bénin produit du bon ananas. Mais pourquoi notre ananas ne peut pas aller en Europe? Juste parce qu'on ne sait pas si les conditions de culture d'ananas sont respectées. Donc, on pouvait, par exemple, installer des appareils qui vont recueillir ces données dans lesquelles, les données dans lesquelles, au champ, bien sûr, dans les fermes, pour recueillir les données. Et donc, ces données vont être transmises directement sur la blockchain que l'Europe, l'industrie lambda en Europe peut consulter, voir dans quelles conditions c'est produit, quel a été, je ne suis pas agronome pour savoir, les trucs, les pH de la terre, les trucs comme ça, l'eau, dans quelle fréquence ça a été irrigué, tout ça. Donc, tout ça là va être collecté et puis transmis sur la blockchain et l'Europe ne pourra pas dire qu'on a menti des conditions dans lesquelles ça a été cultivé. Voilà un exemple concret. Donc, il faut que vous ayez, si vous avez un projet, que ça soit bien clair et net. Comme ça, le développeur, lui, aura juste à écrire le code. Donc, c'est le code, lui, qui va écrire. Beaucoup de grandes revues occidentales ont parlé de la dite chute avant les fêtes et ont donné le premier trimestre de l'année pour se faire. Je pose la question surtout en termes de perspective, s'il vous plaît. Oui, beaucoup de grandes revues occidentales ont parlé de la dite chute avant les fêtes et ont donné le premier trimestre de l'année pour se faire. Ah oui, la deuxième chute dont je parle, bon, ouais, c'est pas si ça va venir avant la fin du premier trimestre, ça peut arriver. Mais de toutes les façons, ce que moi j'ai dit, il faut forcément une montée d'abord avant qu'une chute ne reprenne. Il faut forcément qu'il y ait une montée d'abord avant qu'une chute ne reprenne, une grosse chute ne reprenne. Et ce n'est pas que je suis dans un truc particulier, c'est parce que je me base sur des graphiques techniques que j'ai devant moi. En tant que trader, je me base sur des graphiques techniques que j'ai devant moi pour pouvoir dire ça.
Bonsoir docteur, bonsoir monsieur Emile. Ma question c'est à l'endroit de monsieur Emile. Est-il possible pour une personne qui prend un trade avec effet de levier sur une plateforme de le transférer sur son portefeuille décentralisé? Bon, c'est Emile qui a la parole. La question n'est pas trop claire. Hein? Est-ce que vous, la personne veut dire que je prends la position, par exemple, avec effet de levier et je transfère ça sur une plateforme décentralisée? C'est ce que la personne veut dire, comment, je ne sais pas. Sinon, quand vous tradez sur une plateforme d'échange, comment vous pouvez transférer ça sur une plateforme décentralisée? Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, il y a quand même des perspectives. Vous pouvez trader sur les plateformes décentralisées en perpétuel, comme les DEX. Donc, la question vraiment, c'est trop flou. Je ne sais pas réellement comment répondre à ça. OK, bon, si la personne n'a toujours pas compris ou bien veut revenir sa question, on peut le faire en audio et puis le leader va revenir sur la réponse. Est-ce que la crypto-monnaie peut-elle être une liberté pour l'Afrique? Liberté, c'est-à-dire, je ne comprends pas. Liberté, c'est-à-dire que, oui, bon, vu de cette façon, pas pour l'Afrique seule, pour le monde entier, la crypto. Vous savez, aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir l'argent à la banque sans que l'État ne sache combien vous avez dans votre compte bancaire. Donc, c'est ça, nous, on appelle qu'on ne protège pas la vie privée d'un individu. Et donc, avec la blockchain, eh bien, ce ne sera plus possible. On saura combien il y a dans tel portefeuille, quel est le montant qu'il y a dans ce portefeuille, sans savoir celui à qui les portefeuilles appartiennent. Donc, voilà le problème. Liberté pour l'Afrique. Peut-être que je ne comprends pas la question, si la personne peut revenir sur sa question. Je vais intervenir, mais mon micro est fermé par l'autre. Leader, même si vous pouvez activer le micro à celui qui veut intervenir. Aujourd'hui, y a-t-il des infos sur Potence? Là, je laisse Leader Emile aider à répondre. Oui, je pense que à cette question, j'ai déjà répondu en haut là-bas. OK. Bonsoir, selon docteur. Votre expérience. Oui. Bonsoir, monsieur Emile Lédé. Oui, bonsoir, monsieur Benoît. Oui, j'espère que vous allez bien. Merci pour tout ce que vous faites en matière de la blockchain et des crypto-monnaies. Et aujourd'hui, avec tout ce que nous avons appris à travers le Genesis Block de cette année, bon, les inquiétudes planent. C'est vrai que le docteur a relevé un certain nombre de confiance qu'on peut continuer d'avoir malgré les difficultés. Mais est-ce que face à toutes ces difficultés, quelqu'un peut aujourd'hui opter pour se professionnaliser réellement dans le trading et les crypto-monnaies? C'est-à-dire prendre ça comme un métier, tout en sachant qu'il y a beaucoup d'inquiétudes qui planent pour le moment, pour la stabilisation. C'est ma première question. L'autre, ce n'est pas une question. Vu tout ce qui se passe, il va falloir alors vraiment trier. Il va falloir vraiment que les acteurs qui peuvent quand même former cette association, que ce soit des acteurs véritablement connaisseurs du domaine pour pouvoir quand même apporter un véritable plus à l'Afrique et au monde à travers la blockchain. Parce qu'aujourd'hui, ça se trouve que c'est quelque chose d'inévitable. Bon, à part tout ce qui est que ça amène, tout ce que les gens profitent de ça pour spolier, pour anarquer les gens, c'est quand même quelque chose qui est arrivé pour quand même réveiller le monde et apporter un nouveau de soulagement au monde. Maintenant, il faut assainir le milieu. En allant vers l'association, il faut assainir le milieu pour que ceux qui vivent de ça peuvent réellement vivre de ça. Merci. OK. Merci beaucoup, monsieur Benoît. Je vais donner mon point de vue sur la question. Si le leader vient l'aider à quelque chose à ajouter, il peut apporter. Concernant la première question, oui, il y a des doutes sur la blockchain des crypto-monnaies, mais il n'y a pas de doute sur les trading. Les trading, ce n'est pas aujourd'hui, les trading existent. D'accord? Ce n'est pas aujourd'hui, les trading existent. Les trading existent depuis des années. Des années. Et donc, on va interdire les crypto-monnaies, mais traiter les trading, je ne sais pas comment on va. Donc, interdire l'économie en général. Puisque tant que l'économie va exister, les entreprises vont avoir besoin de fonds d'investissement pour pouvoir fonctionner. Donc, il y aura forcément des spéculations sur les entreprises. Donc, du coup, les devises,
ou bien on va faire disparaître les devises. Non. Donc, les devises vont toujours exister. On va toujours spéculer sur la valeur des devises. Les matières premières, l'or, le pétrole, tout ça vont toujours exister. On va toujours spéculer sur la valeur du pétrole. Alors, est-ce qu'on peut en faire une activité professionnelle? Moi, je peux vous dire, hein, j'ai fait le bac, j'ai fait le doctorat en médecine, après j'ai fait la spécialité 4 ans. Vous savez combien d'années ça fait. Mais aujourd'hui, je ne fais que le trading. Hein. Bon, donc, pour moi, c'est que tout ça va me porter, ça ne va pas dépasser 2 millions de francs CFA par mois. Je suis conscient de ça. Et donc, mais je pense qu'avec le trading, je gagne plus que 2 millions de francs par mois. Et donc, du coup, j'en fais une activité professionnelle. Donc, c'est pour dire, est-ce qu'on peut encore faire, on peut en faire une activité professionnelle? Oui, moi, c'est une activité professionnelle pour moi. Aujourd'hui, c'est uniquement ça que je fais. Donc, c'est possible. Mais il faut que vous soyez sûr de ce que vous faites, de comment vous devez mettre pour être vraiment productif et ne pas abandonner son boulot pour se retrouver dans la rue après. La deuxième partie, les acteurs, oui, quand on va lancer, bon, c'est les connaissances, on va commencer avec les connaissances. Ce sont ces connaissances qui vont nous apporter d'autres connaissances et ainsi de suite. C'est que si on ne peut pas filtrer 100%, mais il y aura forcément des gens qui vont toujours chercher à faire le faux et qui feront partie de l'association du projet. Il faut que vous qui êtes au courant de l'information, que vous soyez présent pour pouvoir nous aider à mettre ceux qui maîtrisent vraiment le secteur devant, qui vont nous représenter, quoi, pour qu'on puisse discuter, avoir des discussions vraiment scientifiques. Moi, ça me fait mal que chaque fois qu'on veut discuter de la blockchain ou bien du secteur en Afrique, c'est les bases là où on vient discuter. On vient parler des bases. C'est pas bien. Moi, ça me fait mal. J'aurais souhaité qu'on invite des experts de la BCAO, des experts des banques centrales européennes, etc., pour discuter réellement de ce qu'ils pensent, comme ça, c'est pas dans les autres pays. Mais ici, ces experts de la BCAO, ils ne veulent même pas nous écouter, ils ne veulent pas aller chercher à savoir ce que c'est à cause du faux que nous faisons. C'est le faux là qui tue, les amis, sensibiliser autour de vous, pour que les gens abandonnent le faux. Alors, je ne sais pas si le leader est venu à quelque chose à ajouter. Non, docteur, vous avez déjà tout répondu. Hein. Le trading, c'est ce que moi, je fais au quotidien. Donc, je mange le trading, je bois le trading, je porte le trading, je voyage le trading. Donc, et ce n'est pas un domaine où du jour au lendemain, moi, je vais quitter. Donc, c'est quelqu'un qui peut se professionnaliser, s'il a les moyens, parce que ça demande aussi assez d'argent, assez de temps et assez de sacrifices. Ce n'est pas ce qu'on dit ici. Donc, voilà en quelque sorte. Merci. Alors, selon votre expérience, combien de crypto-monnaies si possible nous pouvons avoir et être focus pour la faculté? Autre question. Bon, d'abord, je vais répondre à la star. Combien de crypto-monnaies? Je ne peux pas vous donner un nombre. Il n'y a pas un nombre. Moi, je suis amoureux du secteur. Les bons projets que j'aime. C'est dans un cadre de formation. Ils ne peuvent pas disparaître du jour au lendemain. Mais on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour un conseil d'investissement. Le pourcentage représente l'Afrique dans les domaines de la blockchain et des crypto-monnaies, si vous en avez bien sûr, docteur. Je ne sais pas si je peux retrouver ça vite. Maintenant, j'ai ça, mais ça doit être moins dans l'ordinateur. Les derniers chiffres que j'ai doivent être moins dans l'ordinateur. Si vous voulez exactement le chiffre, vous pouvez me contacter après, je vais vous donner ça. Alors, bon, le 69, c'est canal 3052, c'est le numéro de que vous allez contacter pour suivre les formations de l'NTBC. Bonsoir, docteur. Peut-on garder à l'esprit que Ethereum classique est une monnaie sœur d'Ethereum? C'est le hard fork d'Ethereum classique qui a donné Ethereum. À vous de voir si vous voulez le garder ou pas. Est-ce que toutes les crypto-monnaies peuvent un jour disparaître? La crypto-monnaie peut disparaître, mais la blockchain ne peut pas disparaître. Oui, contactez plus 229-59-50-52 pour intégrer la formation complète de la NTBC sur la blockchain et la crypto-monnaie, n'est-ce pas? Elle dit oui.
Dans quelles sont quelques plateformes d'est-ce que vous pouvez nous suggérer? Ce n'est pas un conseil d'investissement, juste les connaître et faire mes recherches dessus. Cher ami, si vous venez à mes formations, je peux vous conseiller ça. Hôtel, tu ne communique pas. Je voudrais savoir si l'objet du projet est toujours d'actualité. Je laisse le leader m'aider pour la réponse. Oui, alors, peut-être ne communique pas. Je voudrais savoir si l'objet du projet est toujours d'actualité. Bon, je ne sais pas quel objet du projet. C'est ça, j'ai dit tout à l'heure. Quand vous investissez dans un projet, il faut le suivre. Et même dans plusieurs de nos groupes, j'avais donné plein de formations gratuitement pour vous informer de comment vous pouvez analyser une monnaie, comment le suivre et tout ça. Donc, suivez les réseaux sociaux du projet. Et s'il ne communique pas, en tout cas, toute décision d'investissement revient à celui qui investit parce que tout produit d'investissement est un risque. Donc, voilà en quelque sorte. Merci. Docteur, pour la formation, est-ce qu'il y a une possibilité pour quelqu'un qui a déjà les bases en train d'adhérer? Oui, si la personne a déjà les bases en train, il peut adhérer sans souci. Bon, voilà, on a abordé toute la question. Je ne sais pas s'il y a des questions que vous voulez poser encore. On prend une ou deux, merci, et puis on va mettre fin à la séance. Bon, il n'y a plus de questions. OK, il n'y a plus de questions, docteur. Donc, je pense même si on veut recevoir toutes les questions, là, on ne va pas. Oui. Bonsoir, bonsoir. Il y a une question, une dernière question rapidement, s'il vous plaît. Oui. Oui, je voulais savoir l'analyse du trading sur le forex et la volatilité et l'analyse du trading futur. Est-ce que ce sont les mêmes analyses? C'est-à-dire la formation, quelqu'un qui a suivi une formation trading sur le forex, volatilité ou autre, est-ce qu'il peut être, il peut s'adapter s'il ne suit pas une formation sur l'analyse en crypto-monnaie? Et c'est pareil. Alors, à vous entendre parler, c'est que vous ne savez pas encore correctement les trading. Hein. Moi, je vous conseille de ne pas aller sur le marché. Parce que si vous savez ce que c'est que les trading, vous ne pouvez pas, excusez-moi, vous ne pouvez pas poser la question de cette façon. Donc, moi, je vous conseille de ne pas aller vers le trading tant que vous n'avez pas une bonne formation. C'est ce que moi, je peux vous dire, sans vous mentir. Quand la façon dont vous avez posé la question, si c'est pour vous-même, sincèrement, je vous conseille de ne pas aller vers le trading. Docteur, est-ce que ça, il est contacté un peu pour investir vu qu'il y a un problème cette année? Bon, je rigole parce que les gens savent comment c'est que j'ai souvent de cette question. On a dit depuis le début, on n'investit que ce que vous êtes prêt à perdre. Si tu contractes un prêt et tu investis, est-ce que tu es prêt à perdre le prêt? Parce que la psychologie qui anime quand c'est un prêt, là, c'est même pas bon, c'est pas une bonne psychologie, c'est pour ça qu'on interdit ça. Bon, les amis, merci beaucoup pour avoir participé. Je laisse le leader m'aider. S'il a quelque chose à ajouter, il va ajouter et puis on va mettre fin à la séance. OK, merci à tous et rendez-vous pour le prochain Genesis Block. OK, merci beaucoup à tous. Merci, merci à vous. Ça fait à l'année prochaine que Dieu nous prête la vie et que nous puissions gagner beaucoup d'argent cette année pour pouvoir payer le Genesis Block de l'année prochaine, qui va être certainement présentiel. Je vous remercie beaucoup. Bonne soirée à tous et bonne année à tout le monde. Merci beaucoup, docteur. Merci à tous.